ce turnover et sur cette compo d'équipe. Qu'est-ce que t'inspire la titularisation de Zagué, de Mayoulou notamment? Ben c'est intéressant parce que c'est des garçons que Luis Enrique aime beaucoup, que Luis Enrique apprécie. C'est ça. Dans son effectif, il les a fait monter. Et là, il n'y a plus de politique qui joue. C'est plus Ethan Mbappé ou autre. Là, il fait jouer ce qu'il estime intéressant. Mayoulou, ça fait un mois et demi qu'il ne quitte plus le groupe. Il est tout le temps là. Donc, il est récompensé par rapport à tout le travail amorcé. Et puis, ben, de l'autre côté, pour Zagué, c'est un peu une surprise. Et pour avoir vu, vous vous rappelez, hein, c'est un peu la technique de Luis Enrique, c'est qu'on peut assister à la mise en place tactique pendant l'échauffement. Ouais. C'est ce qu'on a eu il y a quelques instants. Ça fait vraiment du bien quand ça s'arrête, cette sono. Ils sont complètement zinzins. C'était beaucoup trop fort. Hein. Voilà. C'est incroyable. Et, je vais le dire à Zagué, en fait, et Zagué est côté gauche. En fait, ils sont à 3 centraux. Zagué vient donc se mettre en fait à côté de Skriniar et Danilo. D'accord. Et Mukiele. Mais Zagué est à droite, non? Il est à droite, Zagué. Il est à gauche là. Ah bah c'est marrant parce que sur la feuille de match, moi c'était annoncé à gauche et Canal Plus, le diffuseur, vient de l'annoncer, l'annoncer à droite, je veux dire. Ouais, bah là, franchement, c'est. Ok. Ça se. C'est. La mise en place, ok. Ouais. C'est ce qu'on a vu. Regardez où va aller Mukiele. Mayoulou à gauche, Zagué à droite, moi c'est ce que j'avais sur le papier. En tout cas, là, pour. C'est. On va voir. De match, moi je te dis ce que j'ai vu au Bon, ça, moi, un ancien fouteux au sifflet, ça j'aime bien. C'est ça, c'est Gaël Angoula, effectivement. En plus, il est bon. Ouais, ouais. Il parle beaucoup. Bah, il connaît le football. Il connaît moi, le. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a que 13 matchs cette saison. C'est sûr. C'est quand même pas normal. Il est toujours quatrième arbitre. Voilà. Toujours. Parce que pourquoi? Parce qu'il est bon au bord du banc, parce qu'il discute avec tout le monde. Et il est capable de désamorcer les situations. Comme ça, on laisse les aveugles et les sourds sur le terrain. Ça y est, c'est bon, j'ai fini. S'il te plaît, non. Les Parisiens vont donner le coup d'envoi, c'est Marco Asensio. Et tu le disais, qui est dans le rond central. Ouais, Bruno, tu disais à Clermont Foot, bon, eux, ils jouent leur survie en Ligue 1, hein, ce soir notamment. Et enfin, voilà. Hein. C'est pas condamné, ils mais son dernier à 3 points. Parce que Metz a un parcours compliqué. Ouais. Lorient aussi. Donc, et puis en plus, ils vont aller à Lorient, Clermont. Donc ça va être. Voilà, ils ont encore leur chance. En tout cas, le ballon dans quelques instants pour les Parisiens. Le PSG à 4 jours de son choc face au FC Barcelone. Est-ce que Paris. Est prêt? Est-ce que Paris va réussir à continuer son chemin? Sur le papier, il est écrit que Paris doit passer, mais on rappelle que cette équipe de Clermont-Ferrand est l'une des équipes qui a accroché le Paris Saint-Germain cette saison à 0-0. Courageux, vaillant, avec un Gigio Donnarumma qui avait dû nous sortir 6 à 7 arrêts importants dans cette rencontre. Et ballon pour Milan Skriniar qui donne pour Danilo qui allonge un long ballon en profondeur. Allez. Déjà Colomani prend le ballon. Et ça ira directement dans les gants de Massamba Ndiaye qui va pouvoir se dégager. Premier ballon en profondeur et ballon déjà directement dans les gants du portier clermontois. On rappelle, pas de chance à Maurizio, l'enfant de Poissy qui est blessé pour cette équipe de Clermont. C'est normalement le gardien titulaire et ancien du Paris Saint-Germain. Attention, ballon pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Non, ça sera sa nouveau bataille. Pour sa bataille. Effectivement, ça chicote. Bruno, Erico, on verra pour la dispo qui est confirmée sur le dispositif sur le terrain. Sur le banc, je vous annonce un dispositif avec les frères Mbappé l'un à côté de l'autre. Bon, en tout cas, on a les deux petits jeunes sur le côté gauche. Regarde ça, donc ça va être bien pour la relation comme ça. Qu'ils en profitent, bien évidemment, la famille Mbappé, les jeunes déjà sur le terrain et la famille Mbappé aussi, parce qu'à première vue, ce que disait la presse ce matin, c'est que les vents n'emmèneraient pas Ethan vers Madrid, mais plutôt ou en Espagne ou en Allemagne, ou des clubs français qui se sont aussi renseignés sur le profil du jeune Ethan Mbappé. Le PSG qui a gelé pour l'instant la négociation de possibilité de prolongation de contrat. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu vas chercher de la notoriété parce que tu prends le frère Mbappé sur le terrain, ou est-ce que tu vas vraiment t'as vraiment étudié ses qualités et t'es persuadé qu'il va t'amener des choses? C'est ça la question. C'est la vraie question, et je pense que c'est là aussi où la famille et le clan Mbappé va devoir travailler pour trouver le bon point de chute. S'il y a point de chute, peut-être qu'il va rester ici, mais c'est pas ce qui est annoncé. Zagué. Donc Zagué vraiment central gauche. Et il fait tourner.
Il n'a pas un gros gabarit. Hein. C'est non, pas c'est un... vrai, j'étais en train de me dire, il sort un peu. Ah, forcément, après, à côté de Skriniar, c'est sûr qu'il est... il fait. Non, mais il est rapide, il est rapide. Il y a la montagne, surtout la montagne. Enfin, ouais. Skriniar, c'est un Golgoth. Ah, mais Zagué est très vif. Hein. Et puis, techniquement, très bon. Il est vraiment très haut sur le côté gauche. Ballon peut-être pour Skriniar qui appuie, c'est pas mal, c'est pour Carlos Soler qui s'excentre côté gauche. On est à 35 mètres du poteau de corner côté gauche, tout près de la ligne de touche. Zagué, l'homme du PFC, Paris FC, on était allé chercher là-bas du côté du Paris Saint-Germain, recruté, pur Titi, pur Parisien. C'est bien, c'est important aussi. Effectivement. Hop là, attention, regardez le petit pont, mais un petit coup de bol pour que ça passe entre les jambes de Johan Gatien. Alors attention, le PFC pour Zach, notre technicien, c'est le Pau Football Club. Alors soyez précis. Oui, mais quand même, okay. Le PFC, c'est aussi Paris FC. Je suis désolé. J'essaie de mettre un peu de blague dans cette soirée, toi. Non, c'est bien. Je vois ça. Attention avec Céline Mayoulou sur le côté gauche. Premier ballon, Mayoulou, ça plonge. Ouais. Et ça va être dégagé. Bien joué, ça. Ça va être boxé. Ça revient déjà dans les pieds de Randal Kolo Muani qui va récupérer cette balle pour Danilo qui centre, qui met dans la boîte. Ça va arriver sur Gonçalo Ramos. On cherche Gonçalo Ramos, c'est bien ça. Ouais. Et le centre Mayoulou était intéressant. Il était vraiment à quelques centimètres de la tête de Ramos. Hein. Ça s'est joué à très peu de choses et la trajectoire elle était très très bonne de son centre. On rappelle que Mayoulou et Warren Zaïre-Emery, c'était chez les jeunes un peu tic-tac. Voilà, en U14, en U15, en U16, en U17, en tout ce que tu veux. En tout cas, en U16, tous les tournois et autres, c'était toujours les deux meilleurs joueurs. Moi, c'était pour bien eux. J'aime bien ce Mayoulou. En tout cas, là, le centre était plein de fraîcheur et il était intéressant. Ouais, c'est ce qui est intéressant aussi de mettre des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de spontanéité et on peut surprendre aussi l'adversaire de ce côté-là. 4 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain vient d'installer la caravane dans les 45 mètres de cette équipe de Clermont-Ferrand qui va prendre, pas dire une danse, mais qui est en train de se faire travailler par le Paris Saint-Germain qui vient de s'installer. Danilo, ligne médiane, qui empêche ce ballon de rentrer dans les 45 du Paris Saint-Germain, qui avance sur 20 mètres et qui va écarter côté droit pour Asensio. C'est directement dans les gants de Massamba Ndiaye, qui va pouvoir se dégager. Ouais, beaucoup trop long ce centre d'Asensio. Et j'ai envie de dire que Kolo Muani n'était pas parti au départ, donc c'est vraiment lui qui a essayé de provoquer. Ouais, Ugarte, ça c'est bon ça. Allez. Ballon pour un. Bon, en tout cas, Angoula, il doit être content parce que faire un match au parc, c'est bien, même si t'en fais pas beaucoup. Bah, c'est cool. Hein. C'est la première fois qu'il arbitre le Paris Saint-Germain. Ah bah voilà. Gaël Angoula, cette saison. Et il a déjà fait 3 fois Clermont-Ferrand. Bon. Et ça s'est jamais bien passé pour Clermont. Je le dis. 3 défaites. Ouais, qu'ils étaient comme ça, c'est réglé. Bon, après, ils ont perdu beaucoup. Oui, Clermont. Oui, c'est donc, clair. On va pas le tenir responsable des défaites de Clermont. Ouais, je crois que c'est moi, sens unique. Hein. Pour moi, Clermont-Ferrand, c'est un petit peu trop haut. Oh, bien joué ça. Oh, Mayoulou, c'est pas mal. Ça va jouer. Il perd cette balle, mais en tête de surface de réparation qui vient l'aider. Regarde, Gonçalo Ramos qui travaille tout cela. Mayoulou qui décroche bien pour venir aider Ugarte qui touche cette balle, qui redonne derrière pour Danilo. Là, on est à nouveau sur la bonne vieille technique du 80-20. Hein. Ouais. On travaille ça. Cette équipe de Clermont, mais même pour des contre-attaques, partir d'aussi loin pour le Clermont Foot, t'as intérêt d'avoir bien travaillé. Hop là, attention, Nordi Moukielé. Et les joueurs. Zagué, attention, il va falloir revenir rapidement au niveau de la course. Oh la vache. Là, je vous le dis tout de suite. Mohamed Cham, il s'est dit, chouette, j'ai un ballon excentré un peu côté jeune, droit. J'ai un voilà, j'ai un jeune, c'est un central, il doit pas courir vite. Ouf. Ouais, c'est parti la vite. La prise de vitesse de la part de Yoram Zaïe, bien joué bien. De sa part sur retour pour venir redonner à ses centraux, à son gardien derrière. Parfait. Ouais, vraiment. Bon, c'était timing d'intervention et puis après il. Avec une vitesse comme ça, c'est facile. Ah bah oui, c'est clair. Ça peut être pur aussi, mais c'est clair. C'est 6 minutes et 30 secondes de jeu. Ballon pour Danilo. On doit être à plus 154 de possession. Là. Ouais. Il y a eu 3 touches de balle par des Clermontois en 6 minutes. 7 minutes maintenant. Alors. Ballon pour Danilo.
Danilo. Oh, bien joué. Oh, oh, bien joué. Il a vu le départ de Mukiele. Côté droit, Mukiele va mettre un petit ballon. Il n'y a plus personne dans la cage. Les deux sont au sol. Oh, là, ils se sont parce que là, Massamba et Ndiaye. Vite, monsieur Angoula, il faut intervenir. C'est pénalty, non? Ouais. Quand ça se finit comme ça, non? Parce que... Normalement, ouais. Vite. Ouais. Monsieur Angoula appelle. Les deux joueurs sont au sol. J'ai pas revu le ralenti, mais il y a faute du gardien. Explique, hein. Quoi, ouais. Vite. Et là, on accélère vite pour. Monsieur Angoula demande au soigneur de vite venir. Oh là là, il est allé le genou. Ouais, il y a pénalty là. Genou en avant. Hein. Alors, c'est pas trop le genou, c'est son épaule qui a fini dans le menton et dans la gorge de c'est Mukiele, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc c'est là, et en fait le problème c'est que lui est en train de regarder ailleurs. C'est ça le danger, ouais. de cette action, c'est que bah, il a pas le temps d'anticiper quoi que ce soit, il y va lui. Donc derrière le gardien, ouais, changement. Hein. Voilà. Changement direct. Faut faire le changement violent, direct. Très violent. Oh, le pauvre. Il joue jamais. Protocole commotion de toute façon. Ouais, il est obligé de toute façon. Et là, Luis Enrique est très très embêté. Alors, il appelle qui? Bah, je crois. Mardi Mukiele. On a qui sur le. Il va mettre Soler à droite. Il peut mettre Soler à droite éventuellement. Qu'est-ce que ça donne pour le joueur aussi de. Est-ce... Voilà. Et le parc qui scande Mukiele. Aïe aïe aïe, et on demande de se dépêcher. Et là, le service médical s'énerve auprès des secouristes en leur disant dépêchez-vous. Wow, c'est grave. C'est chaud, c'est très tendu. Hein. Et il va falloir pour les deux en plus. Apparemment, les secouristes tranquilles, ils veulent pas courir. Alors, apparemment, d'après les gestes sur le banc que j'ai pu voir sur les images de Canal, c'est la mâchoire qui a pris et ils risquent. Enfin, là, ils ont fait un geste genre fracture quoi, de la mâchoire. Ouais, alors il a pris l'épaule. Au moins il se relève déjà. Ah, c'est bien. Il ne sait plus où il habite. Ça va aller, il sort de là. Les deux se lèvent. Le gardien se lève, a bien attendu le maximum que l'autre se relève. Ils se sont relevés en même temps. Je pense que l'arbitre ne va pas sortir de carton ou de sifflet de péno. Et il va considérer que c'est les deux sont allés au contact. C'est l'action de jeu. Ouais, il va repartir. Faut pas qu'il nous fasse comme Châteauroux, Mukiele. Ils sont en train de lui dire. Je crois qu'il a envie de revenir. Ah ouais, ils sont en train de lui dire. Regarde, il dit non, tu cours pas. Arrête de courir. Il le tient là. Ouais, faut qu'il arrête. Non mais ouais, mais lui le problème c'est qu'il joue pas, donc il a envie de jouer en fait. Ouais, mais là c'est protocole médical. Ah, regarde, il est dégoûté, il a pas envie, lui dit le doc, mais non c'est bon, j'y vais. Ah, il a explosé. Voilà. Il sait. Bah, après, tout, franchement, ouais. Je le comprends. Hein. Je suis désolé, mais je le comprends. Le mec, il joue jamais. Là, tu joues. Si toi, tu sens. Après, c'est sûr que il y a quand même une prise de risque. Mais... Pour l'instant, Achraf Hakimi, il y est pas. Hein. Et il est très énervé contre le staff médical, contre l'arbitre. Ouais, déjà, ça veut dire quand même, il est très lucide, hein, parce que pour dire à la. Plus du tout. Laisse-moi, je veux jouer. Du tout. Là, ouais, là aussi. Luis Enrique qui va le voir, qui dit ça va aller. Bon, en tout cas, la mâchoire va bien finalement. Bon, déjà il parle. Il saigne, mais bon, voilà. Ouais, mais oula, avec Lou. Ouais, mais c'est, il est en train de péter les plombs. Ouais, mais c'est, ils sont obligés de se protéger, c'est normal. Quoi. Le staff médical, quelque part. Le pétage de plomb, il y a même Luis Campos. Qu'est-ce qu'il fait là, Luis Campos, sur le banc, qui va voir Mukiele, qui lui dit ça va, lâchez-moi. Ouais. Luis Enrique demande à ce que tout le monde se calme sur le banc. Ouais, c'est surtout qu'il faut communiquer là pour qu'ils comprennent un peu la situation. Là il y a Campos qui regarde la mâchoire de Mukiele. Non ça va, t'as encore 2-3 dents sur le côté. Il saigne de ouf. Il saigne, ah ouais. Ah bah oui. Déjà s'il saigne, il peut pas rentrer déjà pour l'instant. Déjà, Luis Enrique va parler au staff médical, il veut lui en parler. Là il y a un événement. Et Nordi Mukiele est catastrophé. Luis Campos essaie de lui parler, de lui dire calme-toi. Il faut rejouer en attendant. Bah ouais, c'est reparti. Alors attention, Skriniar pour Arnaud Tenas. Bon, il va faire le changement et il va faire le changement par sécurité. Je pense vraiment qu'il a, moi, il a bien entendu pour, l'appel de Mukiele, mais qu'il ne va pas prendre de risque. Et c'est normal en fait. C'est complètement normal. Hein. Je pense qu'il est rentré. Ouais, il est. Mais même Luis Enrique, tu le vois à son visage, il est dépité de la situation. Bah ouais, parce que lui, c'était pas son plan. Hein. C'est dommage pour lui, hein, vraiment. Hein. Ouais, franchement, mais bon, après, déjà, c'est bien qu'il se soit relevé, qu'il soit lucide. C'est déjà pas mal, hein, parce que vu comment il était et vu le coup qu'il a pris, c'était quand même pas prévu qu'il se remette aussi facilement. Alors, sachez que dans les gradins des tribunes du parc. Ouais.
On a le droit à une banderole avec président Nasser, monsieur Campos et coach Enrique. Un trio qui met le PSG à l'honneur. Bravo. Voilà. C'est bien. Toujours bon de le. Je viens de le souligner. Ouais, c'est bien. Les félicitations, ça n'arrive pas souvent. Donc, ouais, j'allais dire, franchement. C'est... Là, je félicite Guillaume O'Haro pour son beau look ce soir dans le travée du parc. Très beau boss. Très beau boss. Achraf Hakimi, tout sourire. Mayulu côté la talonnade de Carlos Soler, elle est belle pour Mayulu qui va rentrer dans la surface de réparation. Il redonne derrière pour Gonçalo Ramos. C'est l'intervention du Belge Coffrier. Ouais, c'est bien. C'est bien qui bien met joué. Le pied parce que le mouvement était bon. C'était simple et efficace. C'est un football. Non mais c'est bien. Bah, c'est simple, hein. Voilà. Non mais c'est ce qui était simple et puis j'ai bien aimé, c'est que bah, Ramos, le ballon, il a pas 36 minutes pour frapper. Il arrive, il frappe direct, il est contré, mais elle partait bien. Hein. Elle était cadrée, je pense. Achraf Hakimi. Qui va jouer ce corner. Bah, côté... Achraf, il est suspendu, non? Pour la, oui, pour la Ligue des Champions. Ouais, c'est pour ça qu'il peut jouer, on s'en fiche. Sauf que toi, tu travailles une solution. Pas ouais, c'est vrai. Allez. Corner côté droit, le premier. Oh, c'est bien tiré, ça. C'est pas mal tiré. Ouh. C'est dégagé en catastrophe par Pelmar. Deuxième chance. Qui remet le ballon en corner. Corner côté droit avec la cage clermontoise qui a dans son dos la tribune Auteuil. C'est reparti. À nouveau Carlos Soler. C'est pas mal tiré, ça. C'était intéressant. Deuxième poteau en plus avec. C'est nous qui. Pourquoi on trotte comme ça? Il a sifflé. Je suis en train de me dire. Ouais, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, il y a eu une faute dans la surface, il y a eu quelque chose. Et le Paris Saint-Germain, qui pour le moment est égalité 0-0 après 14 minutes de jeu. Donc 4 d'interruption. C'est ça. Oh, le petit Zaguet. Oui, c'est vrai, il y a faute. À l'épaule. Skriniar dit non, what? moi je pousse plus fort, voilà. Il a dit. Il ne peut pas y avoir faute, puisque moi je fais le plus grosse faute. En tout cas, pour l'instant. Le ballon est pour les joueurs clermontois qui, après le premier quart d'heure, font la première séquence clermontoise en sortie de 45 mètres. La première fois qu'on les voit là, ouais, en train de travailler. Dans le camp de Paris. Allez, Soler. Soler qui s'est blessé. Attention. Bien joué ça, Zaguet. Oh là là. Il est fou. Ah là, il a fait... La jeunesse. Ouais, il va pas lui mettre des cartons, monsieur. Monsieur Angoula va l'appeler. Ouais, va dire, venez me voir. Il sait que c'est un jeune, il va lui dire attention, les émotions, monsieur. Voilà, il est allé. Il arrive en retard. On le sent, on le voit tous. On se dit, hop, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, ça a pas manqué. Bon, si. Ouais. J'allais dire, s'il traîne par terre, il va prendre un carton, mais là, il va pas prendre de carton. Bon arbitrage. En tout cas. Je vous rappelle, hein, déjà le premier fait de jeu, c'est la sortie de Nordi Moukiele sur blessure. Dans des circonstances un peu bizarres. Ouais. Avec de la tension sur le banc. Ouais. Et très surpris de voir Luis Campos là. Qu'est-ce que fait le directeur du football là? Bon, bizarre, c'est très étrange. D'autant qu'il y a un petit peu de tension du côté du staff médical, si j'ai lu certains échos. Oui. Après, je pense que la gestion quand même, il y a très peu de blessés. Ça va, finalement, hein, regarde, attention à ce coup. Attention, on est en retard. Ouais, Skriniar, super. Skriniar, bonne lecture de trajectoire de balle. Et là, Achraf Hakimi n'est pas encore dedans. Il faut le laisser se mettre en route. Il vient de toucher son premier ballon et il vient de le mettre dans les gradins. Pas dans les gradins, mais en dehors des limites du terrain. Et le ballon. Attention. Attention. Danilo de la tête dans la surface de réparation. Achraf Hakimi qui dégage de la tête dans l'axe. Je pense qu'Achraf Hakimi n'avait pas du tout prévu sa soirée sur un terrain. C'est sûr. Et le dégagement de Danilo. Allez, Randall. Allez, Randall Colomoyni qui va aller mettre le bazar là entre Pelmar et Borges. Ça, c'était bien joué. Oh. La récupération de balle de Selim Mayulu. Mayulu qui est le plus percutant, j'ai envie de dire, de nos jeunes là, dans ce premier quart d'heure. Ouais. Même si Zaghi nous a fait deux, trois choses assez intéressantes.
C'est tout l'enjeu ce soir de cette 28e journée qui se poursuit au Parc pour ce PSG Clermont avec coach Courbis, Arnaud Valadon et Valentin Jamin. 0-0, 18e minute de jeu. Les Parisiens continuent de faire tourner le ballon, même si Clermont vient de venir dans la surface parisienne pour la première fois sur un coup franc qui a été tiré au second poteau. Un coup franc intéressant à une trentaine de mètres, mais Paris a tranquillement repoussé. Ballon côté droit pour Hakimi qui vient donc d'entrer. Il a remplacé Moukiele. Il vient de perdre d'ailleurs le ballon. Mohamed Cham, on est toujours dans le camp Clermontois. On repasse par la défense centrale avec Pelmar, avec Coffrier qui passe par l'axe, avec Keita. La bonne ressortie de balle. Ouais, c'est très compliqué. Alors, il s'était pas échauffé. Ça n'explique évidemment pas tout. Mais c'est vrai qu'il a été un petit peu surpris lui aussi de rentrer. Mais peut-être qu'il a été aussi, on va dire, Arnaud, contraint de rentrer, Hakimi. Oui, parce qu'on le disait, probablement une commotion cérébrale a été détectée. Il y a un protocole qui existe dans le foot, c'est le médecin. Le jeu est arrêté par l'arbitre, le médecin arrive, il a 3 minutes pour déterminer si le joueur est victime d'une commotion ou pas, en faisant test de questions, test cervical. Et on voit la façon dont le staff médical a demandé le changement de Nordi Moukiele. C'est intervenu dans ces 3 minutes, donc probablement que suite au choc avec le gardien, Moukiele n'a pas passé ce test, a été déclaré inapte. Et à partir de ce moment-là, le médecin quand même aussi une responsabilité a dit Moukiele sort, et il a repris ses esprits 3-4 minutes après où il voulait rentrer sur le terrain, sauf que c'est trop tard. Le médecin a dit qu'il devait sortir parce que victime d'une commotion, donc on prend pas de risque, ce qui a valu évidemment cet imbroglio avec Moukiele qui voulait absolument revenir sur la pelouse alors que Hakimi n'était pas encore entré en jeu. On va évidemment demander confirmation d'un protocole commotion ou pas, mais ça peut être une explication des choix assez rapides des médecins. Donc Hakimi sur ce couloir droit, t'as raison Roland, il fait pas une entrée très convaincante pour le moment. Il a perdu quelques ballons, lui qui sera suspendu, on le disait, pour les match trois, face au Barça. Les trois ballons qu'il a eu. Et ça a cassé le rythme aussi, cette interruption de jeu, où le Parisien, le PSG, et l'est toujours en contrôle, mais se rapprochait clairement, en tout cas mettait du danger devant la cage de Ndiaye. Et on sent que ça a aussi peut-être remis les Clermontois dedans, puisque à quasiment la moitié de cette première mi-temps, ils sont toujours au contact. Et une faute parisienne justement dans le camp clermontois, alors qu'on essayait un petit peu d'aller de l'avant de Gonzalo Ramos. On est au niveau de la surface complètement côté gauche, et c'est joué court d'ailleurs par Matsima, qui a peut-être un peu mis en difficulté d'ailleurs Andy Pelmar. Non, ils sont bien sortis les Clermontois au final, avec Keita qui est vu dans l'intervalle et qui va mettre sur sa gauche devant la surface pour Coffrier, et Kalush qui va avancer, il va se rapprocher du milieu de terrain. Le Belge pressé par Randal Kolo Muani, obligé de revenir derrière lui, avec maintenant Gastien qui peut transmettre sur sa droite pour Krislin Matsima, prêté par Monaco cet hiver. Pénètre dans le camp parisien à droite, le pressing de Gonzalo Ramos, on fait tourner un petit peu le ballon avec Keita maintenant, avec maintenant derrière lui Andy Pelmar qui cherche une solution. Il y a un appel en profondeur de Cham et il va être tout seul à la retomber. Heureusement, il fait sa tête directement dans les bras de Tenas. Mais alors Zague et Skriniar visiblement ne se sont pas parlé. Skriniar face au jeu a laissé l'Autrichien mettre le ballon dans les bras du gardien du PSG. Il rate sa tête, la précision avec sa tête, sinon il y avait la possibilité de faire une attaque, de construire une attaque dangereuse. Avec Virginius, qui était à côté, et il a été un peu imprécis, mais petite incompréhension défensive pour les Parisiens. Le ballon dans les pieds de Paris avec Zague sur la gauche, qui la met à Mayoulou. Les deux Titi qui s'échangent les ballons, puisque Mayoulou la remet en retrait vers le jeune joueur de 17 ans, Yoram Zague, passe par Skriniar. Skriniar va s'avancer un peu, il est juste devant sa surface de réparation. On attend l'étincelle quand même. On attend le décalage qui pourrait faire la différence pour le moment, et Skriniar, tranquille, remonte le ballon. Oui, c'est vrai. Il fait pas quand même une, tu le disais, coach. On sait que déjà en termes de vivacité, mais Skriniar fait pas non plus. Alors, il peut jouer tranquillement parce que clairement, on ne va pas, les joueurs clermontois vont pas le presser ni le mettre sous pression, mais il dégage pas non plus une forme de sérénité, même s'il ne panique pas. Gonzalo Ramos a lancé la surface, va décaler sur sa droite. C'est bien joué à Hakimi, le centre fort repoussé par Ndiaye. Et le deuxième ballon sera pour Zague à l'entrée de la surface, qui peut trouver Asensio, mais enfin un décalage. C'est pas terminé puisque Soler met sur sa gauche à Mayoulou, le centre stoppé dans les 6 mètres par Matsima, et on dégage ça en catastrophe côté clermontois. Carlos Soler, deuxième ballon, il est à 35 mètres, la met derrière lui à Ougarté avec maintenant Zague, et Clermont s'est replacé. Mais la première incursion d'Hakimi, cette fois-ci toujours d'ailleurs sur ce même côté droit, on a quand même un Zague qui est moins offensif qu'Hakimi alors qu'il est à gauche. On rappelle que c'est un latéral droit, et Hakimi encore qui perd un ballon là sur son côté, c'est une mauvaise entrée. C'est même impressionnant.
et les Clermontois vont essayer de construire enfin avec Manier maintenant dans le milieu de terrain. On est toujours dans le camp de Clermont côté gauche, cette fois-ci Neto Borges qui essaie de trouver une solution. Johan Gastien, on est obligé de repasser par la défense centrale maintenant avec Pelmar, des joueurs Clermontois en quête de confiance. Ils viennent d'encaisser à domicile un 3-0 face à Toulouse. C'est très difficile la saison clermontoise, évidemment ils avaient surperformé en passé en terminant la première moitié de tableau du championnat de Ligue 1, mais là c'est quand même bien plus compliqué pour les hommes de Pascal Gastien et de Sébastien Bichard qui ont perdu contre Metz aussi, qui avaient pris 5-1 face à l'OM avant. La seule petite éclaircie, c'est une victoire face au Havre, mais derrière ça s'est pas confirmé, donc contre Toulouse, et on donne assez peu cher malheureusement pour les Clermontois de leur avenir en Ligue 1, alors que se profile notamment Lens ou Lyon lors des prochains matchs. Et pour l'instant ils courent après le ballon, mais Paris un petit peu encore une fois des difficultés à trouver des relais en attaque au milieu de terrain. Oui, c'est vrai que Roland, Colomoigny, Ramos, on les a pas beaucoup vus. Paris a la possession largement, mais il y a pas d'occasion pour l'instant. Ouais, il y a eu dans la demi, un joli tir. Peut-être la frappe d'Asensio, elle est contrée, elle était à 30 mètres, mais le deuxième ballon est pour Colomoigny, côté droit de la surface, il va laisser filer en corner. Mais c'est vrai que bon, en sortie de but. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Incompréhension, il pensait que ce serait. C'est un corner, non, c'est bien. Il donne quand même l'arbre sur Angoulaf, signe. Il n'y a pas la même consigne. Signale sortie de but. Il monte sortie de but et Danilo n'est pas content, il est furax. Bon, ce sera 6 mètres. En fait, l'arbitre assistant dit pas la même chose que l'arbitre central et l'arbitre central. C'est Gaël Angoulaf. C'est l'ancien joueur. Après, c'est aussi compliqué dans ce schéma de match pour Colomoigny, pour Ramos. Il y a très peu d'espace, c'est très compact. Ils sont aussi dépendants un petit peu de l'animation sur les côtés. Des joueurs de leurs coéquipiers, bon, est-ce qu'on peut leur en tirer vraiment rigueur pour l'instant ? Non, ce que je soulignais, c'est qu'on a du mal à les toucher, effectivement, hein, tout simplement. C'est vrai qu'ils ne voient pas beaucoup le ballon. Ramos un peu plus à la limite, mais Colomoigny, je crois que je ne vous ai pas entendu prononcer son nom. Alors je vais te dire ça sur le nombre de ballons touchés. Colomoigny 7. Et Ramos. Tu peux 4. Plus peut-être. Ah non, moins. Ouais. 4 seulement, ah ouais. Eh ben, on s'est vu qu'il y avait tout à l'heure une frappe à l'entrée de la surface, mais on a du mal à toucher les attaquants. En fait, peut-être que aussi le milieu de terrain manque un poil de créativité avec Ugarte, même si Soler est un joueur un peu plus créatif. Pas toujours très juste là le tacle de Danilo Pereira. D'ailleurs, qui a le brassard, hein, puisqu'il n'y a pas de Marquinhos, pas de Mbappé. Donc c'est Danilo Pereira qui est capitaine. Et les Clermontois ont un peu plus le ballon quand même en ces dernières minutes. On est complètement côté gauche le long de la ligne. On pénètre dans le camp parisien, la bonne déviation pour trouver Mohamed Cham qui a essayé de lancer sur sa droite Alvina, mais le mauvais dégagement de Mayoulou. Ouais, on va pouvoir continuer d'appuyer sur la gauche avec Borges qui est quasiment collé à la ligne de 6 mètres. Il va trouver en retrait Cham derrière lui avec Mania. Le relais, est-ce qu'on va pouvoir aller percuter un petit peu Cham qui est côté gauche de la surface en retrait vers Gassien. Il peut peut-être frapper, non, la met sur sa droite à Keita, la frappe du gauche trop enlevée de l'ancien Lyonnais. Malheureusement, il y avait peut-être un peu mieux à faire, il avait un peu plus de temps, mais c'est vrai que le contre avait été bien négocié. Ça pouvait être beaucoup mieux. La frappe trop enlevée. L'action, elle est pas mal. On terminait par ce semblant de frappe au-dessus du but. Bon, mais ça, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais après 25 minutes de jeu, coach et Thibaut, ça va aussi entretenir un peu la confiance des Clermontois qui se disent il y a peut-être quelque chose de possible à faire. Tant que le PSG n'arrive pas à marquer ce premier but et même à faire un potentiel break. Tu as raison de ce que tu dis, mais déjà à la lecture de l'équipe, ils pouvaient y réfléchir. Oui, puisqu'on rappelle que, comme tu le disais, Thibaut, c'est vrai que c'était plutôt bien résumé. On n'est pas du tout sûr de voir un de ces garçons parisiens titulaires face au Barça. Hein. Peut-être qu'on aura 11 changements par rapport à l'équipe qui sera alignée, même si on n'est pas non plus sûr que Barcola, par exemple, puisse tenir sa place face au Barça mercredi. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, ce sont des joueurs qui doivent essayer de gagner un peu de temps de jeu avec la Hakimi sur le côté droit. Le relais avec Asensio, on est à 30 mètres, on passe par l'axe avec Ugarte qui la met sur sa droite maintenant à Asensio. Il a un peu d'espace avec son pied gauche, mais repasse par Ugarte. Ça manque de combinaison là, on dort un petit peu avec Asensio qui se réaxe avec son pied gauche, mais tous les Clermontois sont derrière le ballon. Skriniar maintenant. Asensio, ça serait peut-être le seul que tu peux penser qu'il ait le talent pour construire une dernière passe intelligente ou une avant-dernière passe. Les autres joueurs dans la construction sont très moyens. Zague a trouvé Danilo Pereira, on est à droite avec Hakimi, mais c'est le même schéma, il y a toujours un joueur face à lui, en l'occurrence Borges, il l'a éliminé, se réaxe un petit peu. Hakimi, il y a quand même du monde face à lui, il a tenté de faire un relais avec Ramos, la passe elle est perdue et le contre à venir, Clermont qui explose assez vite, mais il y a quand même les retours parisiens pour gêner Habib Keita, contraint de conserver, la met à Krislin Matsima. Ouais, bien joué, la bonne passe dans l'axe, on va peut-être passer milieu de terrain avec le bon dribble de Cham. Il y a l'excellent retour de Mayoulou, très bien joué, applaudi par le Parc des Princes. Il est venu tacler, il est parti de son côté pour tacler Mohamed Cham et venir récupérer le ballon pour les Parisiens qui repartent sur une phase de possession. Voilà, ça va encore un petit peu faire grimper la cote de Céline Mayoulou.
contrairement à Hakimi qui a encore perdu un ballon. Ouais, le Marocain effectivement pas vraiment dans son match pour le moment. Il va encore peut-être être sollicité parce que Danilo touche son millième ballon du match là probablement. On repasse par Skriniar maintenant. Sur sa gauche, il y a Zague. Est-ce qu'il va sauter un petit peu pour aller chercher Carlos Soler? Non, on passe par Yoram Zague. Lui aussi pour l'instant c'est propre, hein, et c'est bien joué d'ailleurs ce qu'il fait là pour trouver Danilo un petit peu à l'opposé au niveau du rond central. On va écarter encore le long de la ligne, il y a un peu plus d'espace pour Hakimi devant lui, Asensio, mais toujours deux joueurs clermontois pour les gêner. On va approcher de la demi-heure de jeu, 27 minutes de jeu, 0-0. Ougarté trouvé en retrait, il y a toujours des clermontois pour le gêner à droite. Hakimi, Ougarté, Colomboigny a décroché mais elle est mauvaise, la passe de l'Uruguayen, et Clermont va essayer encore de partir en contre. 1-2-3-4, c'est bien joué, la combinaison avec Mohamed Cham qui va lancer en profondeur, Virginius, la bonne couverture de Danilo, et c'est pas mal, Cham est au sol. Il y a Cham qui reste au sol, il aurait pu mettre un peu plus fort, hein, ce ballon, parce que à la course il allait très vite, Alan Virginius, hein. Un point de temps et score, messieurs, s'il vous plaît. 0-0, 28 minutes de jeu entre Paris et Clermont. On va faire une dernière pause dans cette première période pour vivre ce dernier quart d'heure, ces 20 dernières minutes, plutôt en intégralité sur RMC avec Coach Courbis. C'est la 28e journée de Ligue 1, ce Paris Saint-Germain-Clermont, la dernière marche avant le Barça. C'est dans un instant sur RMC. RMC, l'After Live. L'After Foot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android. Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'After Foot sur RMC avec Winamax. Débriefs, analyses, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Eh ben dis donc, elles sont vraiment belles tes nouvelles lunettes. Oui, elles sont même magiques. Regarde, je change de clip et toc, j'ai de nouvelles lunettes. Et le prix? Magique aussi, 29 euros le clip. Ah ben dis donc, il est vraiment magique, Flelou. Vos Magic Clip, à partir de 29 euros. Flelou, c'est vraiment le bon choix. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site favcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches. Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au Quintet Plus du PMU, ça va être super. Ah bah t'as dit deux fois super. Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux. Et là t'as dit trois fois super. Bah oui, oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment. Ouais, bon en vrai, je vois pas d'autre mot. Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur texte. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. Le dernier soir avant le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui affrontera Barcelone mercredi en quart de finale de Ligue des Champions. Avant ça, c'est la Ligue 1. La 28e journée contre Clermont et cette équipe B parisienne. Coach Courbis, Valentin Jamard, Arnaud Valadon. 30e minute de jeu, 0-0 et ce mauvais ballon de Marco Asensio en profondeur dans le dos de la défense clermontoise, directement dans les bras de Massamba Ndiaye, le gardien sénégalais qui dispute son quatrième match de Ligue 1 pour Clermont puisqu'il remplace Moridio, l'habituel titulaire malade. Il avait été très bon quand Moridio était à la CAN, hein, notamment contre Nantes, et une victoire à Nantes de la part de Clermont. Et pour l'instant, fait un match solide. Il a d'ailleurs percuté Mukiele qui a dû sortir. On l'a vu retourner un peu sur le banc. Et on voit aussi Luis Enrique avec une petite nouveauté. Alors, est-ce qu'il écoute de la musique? Il écoute RMC. Il écoute RMC. Une oreillette d'une marque à la pomme. Et visiblement, il est connecté avec du staff qui sont actuellement en tribune de presse, pas très loin de nous. Voilà, pour être. Voilà, d'habitude, c'est toujours un adjoint qui est en liaison avec des membres du staff analyse vidéo qui sont vraiment en hauteur. Voilà, il a directement l'oreillette sans fil, connecté avec ses adjoints, et on peut pas le rater, hein, la petite oreillette blanche. Non, mais c'est marrant qu'il fasse ça sur un match comme ça. Bon, une test peut-être pour plus tard. Toi, t'aurais mis quoi, Thibaut, dans l'oreillette, toi? Moi, j'aurais mis. Non, je peux pas le dire. Sinon, les gens vont changer. Il écoute coach peut-être. Hein, oui, c'est ça, coach, il tient signe une consigne pour Luis Enrique. Ah,
Je pense qu'il pense à tout, donc c'est difficile pour nous. En tout cas, Luis Enrique, si jamais tu écoutes RMC, lève la main droite. Bon. Ah, il le fait, c'est incroyable. C'est énorme. Allez, ballon dans les pieds de Clermont, 0-0, 32 minutes. Ah, il vient de l'élever. Et pour le coup, il a levé. Ballon en profondeur, attention, Clermont, toi, avec Magnin qui peut décaler Alvina. On arrive au niveau de la surface de réparation, côté droit, le relais avec Cham, il est coincé, il est obligé de revenir en retrait, de reculer pour trouver Johan Gatien. Les Parisiens se sont bien repliés. Alvina, toujours en train de combiner sur l'espace droit. Et il fait le grand signe, là, Luis Enrique, pour dire à ses joueurs de monter. Ballon en profondeur, Skriniar, il s'est raté encore. Johan Magnin peut centrer un peu difficilement au second poteau. La remise de Virginus dans l'axe, c'est bien fait. Il soit retard, le but de Clermont sur cette succession d'erreurs. Et est-ce que c'est Keïta. C'est Keïta qui vient reprendre cette remise de Virginius et lober Arnaut-Tenas sur cette série d'incompréhensions, que ce soit Skriniar, que ce soit Ugarte, que ce soit Tenas. Paris s'est raté et Clermont mène 1-0 au parc. Et surtout, comment laisser contrôler Alan Virginius seul dans la surface de réparation à 7 mètres. Il a pu orienter son contrôle qui s'est finalement terminé en passe décisive pour Keïta qui arrivait seul. La passivité de la défense parisienne. Alors est-ce que Keïta, son tir qui est contré, allait quand même prendre le chemin des buts, auquel cas ce but lui sera bien accordé. Mais on revoit Skriniar qui fait une intervention catastrophique, un contrôle porte-manteau il fait Skriniar. Et en tout cas, Virginius qui fait une passe, hein, c'est pas un contrôle. Et derrière, Keïta arrive, il y a le tacle d'Ugarte. Et je pense que ça va quand même peut-être être donné à Keïta, hein, puisque c'est Keïta. Puis le tacle d'Ugarte qui s'est jeté. Et Arnaut Tenas qui s'était avancé. Positionnement un peu étrange aussi. Et ben voilà, Clermont qui mène 1-0 au parc. C'est vidéo gag un peu ce but quand même. Ouais. Je t'avoue qu'on en a rigolé un peu avec Roland. C'est assez catastrophique là, côté parisien. Bah alors Milan Skriniar, qui était quand même un indéboulonnable du début de saison, il a plongé. Hein. Alors il s'est blessé à la cheville, on l'a dit, il a manqué 15 matchs en tout, mais techniquement, en fait tout quoi. Le placement, physiquement, il rassure plus du tout. Peut-être que certains diront qu'il n'était déjà pas rassurant, mais là il a vraiment fait la remise pour Magnin. Centre second poteau en cloche en plus, donc c'est quand même pas un centre exceptionnel. Et derrière, Virginius peut remettre. C'est une histoire, si on se rappelle bien, de Skriniar. Il avait même failli venir à l'hiver dernier. Ouais. Ce qui aurait quand même été une bonne chose. Attention à Kimi, côté droit dans la surface de réparation, il peut centrer, second poteau, Mayoulou le contrôle, Mayoulou peut-être, il a voulu crocheter, pourquoi il tire pas à Mayoulou? Il est peut-être pas sur son bon pied alors qu'il avait été touché au second poteau, ballon récupéré par les Clermontois, vas-y coach. Oui, je disais donc, ça aurait peut-être été une bonne chose parce que il a rajouté 5 ou 6 mois sans jouer, simplement en s'entraînant. Donc c'est pas facile après pour. Il y avait des problèmes de dos aussi, coach, souviens-toi. Ben oui, donc si tu veux, ça a quand même été une des erreurs de recrutement. Tiens, et les gars, vous dire que parmi les matchs qu'on suit ce soir, ce derby de Lisbonne, très important entre le Sporting et Benfica, dans la course au titre, puisque ce sont les deux premiers du classement, 3 minutes de jeu, et le Sporting mène déjà 1-0 face à Benfica, but de Katamo. Le Sporting qui était devant en plus au classement, petite actualisation en direct, et qui prendrait provisoirement 4 points d'avance sur le Benfica. Il y a un point d'avance pour le Sporting avant le début de ce match. Porto est 3ème à 9 points et semble décrocher dans cette course au titre. Benfica, l'adversaire de l'OM en Ligue Europa en quart de finale la semaine prochaine. 21h35, vous êtes sur RMC, c'est l'After Live, les 10 dernières minutes de la première période de ce PSG Clermont en intégralité. D'ailleurs à la pause, 32-16, hein, Parisien Clermontois, Adriella au standard. Vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous voulez venir sur RMC, analyser ce premier acte pour le moment, dominé au score en tout cas par les Clermontois, Arnaud et Valentin. Et dans le jeu plutôt par Paris, mais c'est Clermont qui mène 1-0 grâce à ce but casquette de Habib Keïta. Mais la Celtio a trouvé à l'entrée de la surface, il a voulu un petit peu se l'emmener. Le bon retour de deux Clermontois face à lui, il avait été trouvé depuis la droite par Achraf Hakimi. C'est le premier but cette saison, je regardais, d'Habib Keïta, le joueur arrivé de Lyon. L'été dernier, il se projette vite, on en parlait dans l'avant-match, hein, et c'est vrai que Alvina notamment sur le côté droit essaie d'aller vite. Cham, Virginius, tout ça, ce sont des joueurs techniques, rapides, qui arrivent à quand même bien embêter la défense parisienne, assez expérimentale. Et les Clermontois en plus gardent certaines fois le ballon, comme là, avec par exemple Andy Pelmar, et ce serait un énorme coup quand même que de prendre 3 points dans la lutte pour le maintien au Parc des Princes. On n'en est pas là,
mais avec l'échéance parisienne qui arrive, ça va être difficile à gérer pour Luis Enrique peut-être. On monte là le ballon pour Clermont justement avec Magnin qui élimine facilement sur le côté gauche. On va se rapprocher de la surface, il va gagner à la course face à Hakimi. Magnin qui entre dans la surface complètement côté gauche, il va gagner le corner contré par Achraf Hakimi. Ça se parle en défense, ça s'agace. Ouais, bien joué de la part là, c'est Coffrier qui est monté, ouais. Et monté aux avant-postes. Et tu vois, autant le premier quart d'heure était plutôt scolaire, studio des Parisiens, mais il n'était pas un million de difficultés. Bien là, les Clermontois sont ressortis juste après aussi la sortie de Mukiele qui a quand même cassé vraiment le rythme de cette partie. Et ils arrivent à faire mal par des courses, par des prises d'initiative. Là, l'image de Coffrier. Et voilà, ça se regarde un petit peu sur le banc de touche côté parisien. Là, Nordi Mukiele est revenu sur le banc de touche. Hein. Il est revenu, il n'a plus la bouche en sang. Lui qui ne voulait pas sortir, mais probablement à confirmer, mais c'est quand même fortement probable, victime d'une commotion. Le corner, premier poteau dévié, ballon sorti derrière par Zague. Mayulu à la bagarre avec Gastien. Zague, il n'a pas le contre favorable. La frappe du pointu de Johan Gastien, capté sans problème par Arnaud Tenas, qui va d'ailleurs dégager très rapidement sur Hakimi qui est en position de latéral gauche. Il a un peu manqué son contrôle, dommage parce qu'il avait le temps. Il va quand même se bagarrer pour garder ce ballon et la mettre en retrait à Mayulu. Il a fait remonter tout son bloc et on est revenu tout de même dans le camp parisien avec Milan Skriniar qui peut décaler sur sa droite Danilo Pereira. Il va falloir accélérer un peu quand même pour Paris parce que certes il y a la possession plus de 60%, mais ça dort un petit peu. Ouais, l'avantage avec les 5 changements et le banc que tu as, coaché Thibaut, hein. Ouais. C'est clair. Et à la place de Luis Enrique, on serait fortement tenté de faire quelques changements dès la pause parce qu'il n'y a quand même pas grand chose de positif, Roland, côté parisien dans cette première période. Oui, il y a la possession entre du match, mais il n'y a aucun danger sur le but clairement. Il y a tout simplement une équipe B, et quand je dis B, c'est un grand B majuscule. Ouais, avec des jeunes comme Mayulu et comme Zague, avec des joueurs qui ne jouent quasiment jamais comme Solaire. Alors, il y avait Mukiele au départ qui a été remplacé comme des Tenas joueurs qui... aussi, le gardien, ouais, en fait partie, vrai. Puisque Donnarumma est quand même un des meilleurs gardiens sur les arrêts sur sa ligne. Pas sûr qu'il l'aurait pris d'ailleurs parce qu'il est plus grand en plus. Corner parisien tiré de la gauche vers la droite, il est tiré, il est sorti, mais Danilo Pereira est au deuxième ballon, la main en retrait vers Zague. Yoram Zague à droite de lui pour Carlos Solaire, maintenant sur le couloir avec Asensio se réaxe un petit peu avec son pied gauche. Il y a de la place à droite pour Solaire. Est-ce qu'il va centrer? Ils ont peur de centrer, les Parisiens. À chaque fois on fait la passe en retrait avec Asensio. Ils sont bien cadrés aussi par les Clermontois, ouais, hein. S'appuie sur Colomoni. Asensio complètement à l'opposé vers Mayulu qui a un peu d'espace côté gauche de la surface derrière lui. Verzaguet va la mettre à l'entrée de la surface. La mauvaise remise encore une fois d'un Parisien, et c'est encore Achraf Hakimi je crois qui rate sa passe et dégagement en touche de Clermont qui recule après 39 minutes de jeu. Elle va être jouée rapidement, cette touche de Danilo Pereira en direction, tu sais, de Tenas. Je ne sais pas que ça sera le score à la mi-temps, mais une équipe comme Clermont là, qui peut vérifier et voir le niveau de cet adversaire très moyen ce soir, elle peut se dire que bon, c'est pas seulement un but, mais on peut peut-être en marquer un deuxième. Et surtout très moyen, je pense, c'est techniquement. Coach, hein, quand on voit les choix, les transmissions, notamment des plus expérimentés, et puis ce côté gauche 100% Titi parisien avec Zague et Mayulu qui sont quand même à la base deux droitiers, même si Mayulu est décrit par tous ses formateurs ambidex, capable de jouer pied droit, pied gauche, une petite préférence pour le pied droit quand même. Ça te fait quand même deux droitiers sur le côté gauche. Je pense que ça, tu n'es pas vraiment fan. Et un coup franc obtenu par Paris à une trentaine de mètres de la cage de Massamba Ndiaye sur une remise. Un joueur parisien a été accroché par derrière. On est côté gauche en regardant la cage de Ndiaye. Soya va le tirer avec son pied droit. Ce sera rentrant. C'est sorti par la tête de Magnin, me semble-t-il. Ça revient sur Achraf Hakimi qui va essayer d'aller déborder sur son côté. Le centre, il est contré très tôt. Et Borges peut ressortir ce ballon sur le côté gauche. Clermontois, mais ça va filer en touche, cette tête de Borges. Et Paris va pouvoir rester haut pour les Parisiens, avec maintenant Ugarte qui a été trouvé en retrait sur cette touche, et Milan Skriniar qu'on retrouve dans le milieu de terrain. Et Hakimi, c'est pas la première fois, il est incapable de faire un contrôle en première attention. Il laisse toujours un rebond, ce qui permet ensuite à un Clermontois de revenir. Jamais il va avoir cette touche technique pour continuer à garder son avantage en termes de distance, en termes d'espace. Non, à chaque fois il se fait rattraper parce qu'il ne contrôle pas directement son ballon.
Et les Parisiens quand même un petit peu plus offensifs avec Colomoigny côté droit de la surface. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit y aller. Il va obtenir un nouveau corner au duel avec Maximiliano Coffrier, l'ancien du FC Nantes, alors que le Paris Saint-Germain, on le rappelle, est toujours mené 1-0 par Clermont sur un but de Habib Keïta. Une action du grand n'importe quoi un petit peu quand même dans la défense parisienne. Ils en ont profité, les Auvergnats. Le corner de la gauche vers la droite au premier poteau, la déviation de Gonzalo Ramos, le portugais, mais ça va sortir en 6 mètres donc pour Massamba Ndiaye, et donc toujours ce score de 1-0 pour les Clermontois. Vous êtes sur RMC, c'est l'After Live avec Coach Courbis en ce samedi soir, le 6 avril. Merci d'être là. Dans quelques instants, ce sera la pause et vous aurez la parole bien évidemment sur RMC, le 32-16. Vous nous appelez, Adri vous réceptionne au standard, et dans 5-7 minutes, vous êtes en direct sur RMC pour analyser cette première période, supporters parisiens Clermontois. N'hésitez pas, on vous attend. Au Portugal, toujours 1-0 pour le Sporting face au Benfica. 10 minutes de jeu, puis je vous rappelle que à partir de 22h, on suivra la finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et Mallorca, et on parlera de tout ça dans l'after. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir. Les dernières minutes de cette première période. Coach Courbis, Arnaud Valadon, Valentin Jamin. Hakimi a le ballon côté droit, 1-0 pour Clermont. Il en reste 4, un petit peu moins des minutes dans le temps réglementaire. On a retrouvé Danilo de nouveau à droite. On est dans le camp Clermontois pour Hakimi. Le Marocain se réaxe. La passe au petit bonheur de la chance qui va arriver quand même. Verzaghi légèrement à l'opposé pour trouver Mayoulou devant lui. Céline Mayoulou, jeune joueur de 17 ans, se réaxe avec son pied droit. Trouve Ugarte. Ugarte à 40 mètres de la cage. Tout doucement à sa gauche vers Zague pour maintenant Carlos Soler qui a pris le couloir gauche le long de la ligne. La passe en retrait vers Skriniar, Skriniar vers Danilo sur sa droite, et ça continue de ronronner pour les Parisiens. On s'appuie devant lui pour Danilo vers Asensio qui peut écarter vers Hakimi à droite. Il a le temps de centrer, il va le faire au second poteau, plutôt dans la niche d'Ndiaye. Un petit peu raté Ndiaye, mais il a réussi à capter ce ballon dans ses 6 mètres. Ça a failli nous faire une petite arconada, alors on n'est pas c'est passé en dessous sur un centre encore raté d'Hakimi. Oui, un petit peu trop vers le gardien effectivement, et pas dans la course de ses attaquants. On attend quand même mieux de Ramos ou Colomoigny, hein, coach. Il y a peut-être une place à jouer pour le match face au Barça. Bon, avoir des ballons aussi. Hein. Voilà, oui, si tu es à leur place, tu n'es pas très content quand même de ceux qui t'approvisionnent. Bon, toi, tu aurais marqué, c'est sûr. Ballon peut-être gratté. Est-ce qu'il est gratté? Ouais, il est gratté par Ugarte, ce ballon côté droit. Le centre en retrait. Il est contré de l'Uruguayen qui était venu chasser Joan Garcia. Mais la mauvaise relance de Coffrier, interceptée par Ramos. On est dans le camp de Clermont à 40 mètres. On repasse par l'axe avec Soler pour Mayoulou. Le 1 contre 1 peut-être face à Alvina. Il va pas aller défier Mayoulou. La passe en retrait un peu molle vers Zague. Zague, le petit crochet qui peut décaler. Là, il y a de l'espace pour Soler sur la gauche avec son pied droit. Le centre, il est bon, la tête à côté. On a mis les mains. C'était Soler qui avait plongé. Et ce sera un corner indiqué par monsieur l'arbitre. On demande une main, monsieur Angoula Fessing. On me parle dans l'oreillette, ça va être vérifié si elle est effectivement décollée. Et ça me paraît compliqué. C'est Coffrier peut-être sur cette tête de Ramos. Le bras n'est pas dans une position totalement inhabituelle. C'est pas sûr qu'il siffle. Non. Honnêtement, c'est pas sûr qu'il siffle. En plus, on évalue la distance. Et là, c'est pratiquement 50 cm après avoir quitté la tête de Gonzalo Ramos que ce bras touche l'épaule, voire le haut. Non, et voilà, monsieur Angoula Fessing. Non, il n'y a pas pénalty. Impossible là-dessus. Clairement. Et ce sera donc un corner pour Paris de la gauche vers la droite cette fois-ci. 43e minute de jeu et 40 secondes. 1-0 pour Clermont. Et Asensio va le tirer. Ce sera sortant donc avec son pied gauche. On voit la tête de Gonzalo Ramos qui est très concentré. Milan Skriniar est monté. Tous les grands évidemment comme d'habitude. C'est parti pour le pied gauche de l'ancien du Real Madrid. Massamba Ndiaye est un petit peu gêné dans sa sortie. Peut quand même repousser le ballon. On est à l'opposé, quasiment à l'autre poteau de corner avec Colomoigny derrière lui. Le centre en première attention d'Ugarte vient en retrait, la tête de Jim Alvin à deuxième ballon à Asensio, il a une grosse frappe, il va plutôt centrer, deuxième poteau capté par Massamba Ndiaye qui fait un bon boulot pour le moment dans sa surface de réparation. Enfin Roland, les Parisiens se rapprochent un peu de la cage de Ndiaye. Bon, le match est loin d'être terminé. Après, même si c'est l'équipe B, mais B majuscule, donc il y a peut-être la possibilité aussi de faire rentrer 2-3 joueurs A. Oui, après, qu'est-ce que tu fais si t'as 12 points d'avance en Ligue 1 mais que t'as le Barça à jouer dans 4 jours? Est-ce que tu fais quand même jouer des Mbappé ou des Dembélé ou Non, il est dans la logique de, je veux dire, de ne pas prendre de risques, j'imagine, Luis Enrique. Après. Écoute, toute la semaine, j'ai entendu que bon, il ne fallait pas penser au Barça, penser à Clermont. Donc laisse-les tranquillement penser à Clermont. Si après Clermont vient à gagner et qu'il y a les autres clubs qui portent plainte, on en discutera. Hey, parce que ça fait pas les affaires de Metz ou de Lorient notamment. Par exemple. Concurrent direct du Clermont Foot.
temps additionnel annoncé. Mais moi, je pense, même avec cette équipe B, je pense Paris Saint-Germain capable d'égaliser et de gagner. Ce sera 5 minutes hein, de temps additionnel. Les Parisiens toujours avec le ballon sur le côté. Bien joué, la petite talonnade de Solaire pour lancer Mayulu côté gauche. Mayulu face à Alvina. Il a tenté le double contact. Bon retour de l'international gabonais qui va concéder la touche que va jouer Carlos Soler qui s'est un peu déporté sur la gauche. Alors est-ce que c'est ponctuel ou pas? Mais en tout cas, il est un petit peu plus dans ce secteur pour épauler les deux Titi. Solaire à droite, gauche ou dans l'axe ou quoi, j'ai toujours du mal. Ouais. Après, si, quand il est très très à gauche, mais de l'autre côté de la ligne. Derrière Luis Enrique, ouais, c'est là, ça, en soutien. En soutien vocal, il est bien en général. Allez, les Parisiens, on est dans le temps additionnel. Et le petit frère de Kylian, en fait, qu'est-ce que vous en avez comme nouvelle? Il est sur le banc. Il est de nouveau convoqué. Ouais, il est là. Ethan Mbappé, il a fait 2-3 bouts de match seulement, mais il est sur le banc à côté de son frère. C'est la première fois depuis l'annonce de Kylian Mbappé, enfin depuis qu'on a nous annoncé que Kylian Mbappé ne resterait pas au PSG, que Ethan Mbappé est de retour dans le groupe. Hein. Luis Enrique l'avait un peu sorti, et là il est de retour, notamment aussi avec toutes les absences, mais sur le banc. Mayulu côté gauche, le centre plonge en dévié. Mais attention, Kolo Muani, Rodet et la tête en corner pour dégager de Neto Borges, alors que dans les 6 mètres, ça aurait pu être dangereux ce petit ballon de Mayulu. Sorti par la défense, il a vraiment une tête toute jeune, hein, Mayulu, on dirait c'est un jeune adolescent. On dirait un enfant. C'est un enfant. On est en 2006. Un enfant qui joue à Paris. Le corner, il est tiré, il est très mal tiré. Au premier poteau, ça passe pas le premier rideau. Ce corner d'Hakimi dégagé par la tête de Cham. Et Asensio est là au second ballon. Mais Qui vient de tirer ce corner, je vois pas bien. Asensio, non? Non, c'est Hakimi. Ouais. Ah ouais, c'est Hakimi. Le mauvais centre d'Asensio, en l'occurrence. Même pas un corner cet après-midi, ce soir. Ah non, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, pour Hakimi qui a remplacé, on le rappelle, Mukiele, lui qui est donc suspendu pour le match face au Barça. Il faudra trouver une solution, mais si de toute façon c'est pour effectivement proposer cela, ça n'aurait sûrement pas beaucoup plu à Luis Enrique. Et Carlos Soler qui est encore une fois le long de la ligne côté gauche. La bonne passe dans le cœur du jeu maintenant vers Kolo Muani. Kolo Muani, il a un peu accroché, il est tombé, mais il s'est relevé à l'entrée de la surface et résultat, il a perdu le ballon dégagé en touche. Alors là, ils font plus les efforts. Arnaud, les Clermontois, là, ça... Ça dégage en tout. On attend la mi-temps. Ouais, ouais. Voilà, dans 2 minutes 30. Voilà, faut encore un peu attendre, mais un petit peu d'agacement. Là, Carlos Soler demandait le ballon. Pas de joueur encore à l'échauffement. Peut-être qu'à la mi-temps, Luis Enrique va en envoyer pour éviter d'utiliser ces temps de changement. Il y en a déjà eu un. Vous savez, vous êtes limité à 3 temps de changement. Et pour le remplacement de Nordin Mukiele à la 10e minute par Achraf Hakimi, il a déjà utilisé ce temps de changement. Et la mi-temps ne compte pas comme un temps de changement. Donc, une possibilité peut-être pour Enrique. Attention, ce centre parisien. Ouais, deuxième poteau, la frappe de Soler qui va passer à côté, aller dévié par un Clermontois. Ça partait d'un corner qui avait été joué à deux et ce centre au second poteau dévié alors qu'un joueur de Clermont reste au sol. C'est Alvina qui a peut-être pris le ballon. Non, il s'est fait mal peut-être en sautant à l'heure parce qu'il n'a pas pris le ballon éventuellement dans la tête. Il est au sol en attendant le corner parisien qui sera sûrement la dernière occasion. On appelle les soigneurs pour l'international gabonais. Il gagne déjà du temps. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, il n'a pas été touché sur l'action, alors peut-être que c'est musculaire pour Jim Alvina qui joue piston droit comme on dit et qui va être soigné. Donc toujours 1-0 pour Clermont, il reste 1 minute 30 dans le temps additionnel de cette première période, le but de Keïta. Et on va suivre cette dernière minute en direct sur RMC bien évidemment à la pause, on vous attend au 32-16 Parisien Clermontois, vous nous appelez, vous venez analyser, débriefer, commenter cette première période en direct dans l'After Live avec coach Courbis. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'étranger, 18 minutes de jeu entre le Sporting et Benfica, toujours 1-0 pour le Sporting. On joue également en Italie, Empoli mène face à Torino 1-0, face au Torino 1-0. À la pause, je vous rappellerai les principaux résultats à l'étranger. Il y a eu beaucoup de résultats et d'importance aujourd'hui qui concernent également des adversaires des clubs français. Donc soyez là à la mi-temps en attendant les drôles de dames dans l'after. Arnaud, Valentin, est-ce que le Clermontois est debout? Oui, il est debout, il va sortir du terrain, c'est le protocole. On n'a pas fait signe de demander de changement hein, côté Clermontois, donc peut-être que ça va aller pour Jim Alevina qui se teste. Corner à venir et que va frapper Achraf Hakimi. Oui, dont Roland est fan depuis son entrée. Tu vois, ça va faire passe décisive. De la droite vers la gauche. Pourquoi pas, ça lui ferait du bien. Allez, c'est parti pour Hakimi. Cette fois, c'est troisième poteau avec la remise de Carlos Soler du pied gauche en retrait. Verzague qui a manqué son contrôle et qui va faire une très grosse faute. Et non. Alors là, pourtant, il coupe le contre. On va jouer. Du coup, ballon récupéré par Paris. Asensio sur son pied gauche à 30 mètres. À l'entrée de la surface, Mayulu. La frappe et le but de Sémi Mayulu. Le Titi parisien de 17 ans qui glisse sur les genoux pour célébrer comme un grand. Et bien voilà, deuxième match de Ligue 1, premier but pour
Mayoulou, acclamé par le Parc des Princes, un partout, mais Clermont, on n'est pas content. Avec parce qu'on réclamait une faute. Il y avait faute quand même. Bon. Mais par contre, magnifique pour le genou. Là. Avec une frappe pleine de conviction. Et voilà pour sa première titularisation. Céline Mayoulou, buteur après une combinaison sur corner très hasardeuse. Une faute probable parisienne. Ah ouais. De Zagué. Ah ben, s'il n'y a pas faute là, il n'y a plus jamais de faute. Et ballon récupéré tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Il est un peu plus droitier que gaucher, vous l'avez vu. Attention vidéo, monsieur Angoula va voir. Oui. Ah, mais s'il va voir, il est obligé de s'y faire faute. Il va voir, appelé par le VAR. Ouais, ça va être annulé. Hein. C'est vrai que la. Pascal Gatien Furax. Ah ouais, il est énervé. Hein. Un énervé, il y a son co-entraîneur, Sébastien Bichard, pour revoir s'il y avait faute ou pas. Mais Zagué, contrôle manqué, ballon touché. Est-ce que c'est Virginius ou qui est le premier sur le ballon? Oui, je vois pas comment monsieur Angoula, surtout après avoir été appelé. On va, voir la décision. Il a été appelé, c'est justement pour lui pour éviter la bêtise. Alors, que va dire monsieur Angoula? Il y a faute. Pas de but. Et donc on en reste à 1-0 pour Clermont. Bon, messieurs, logique, hein. Enfin, Bon, dur pour le petit Mayoulou. Ouais, c'est dur. C'est dommage pour le petit parce que la frappe, elle est magnifique. Ouais. Elle était pure du pied droit, mais ce but est logiquement donc annulé et on s'énerve parce que je crois qu'il y a un Clermontois qui a lancé le ballon bien loin pour gagner un petit peu de temps et pour ne pas jouer le coup franc. Il y a de la tension quand même. Il y avait deux ballons en fait. Coffrier a enlevé le ballon du terrain et Ndiaye en a un dans ses mains. C'est fini pour Alvina, j'ai l'impression. Ouais, c'est fini pour Jim Alevina. Voilà, on n'a pas encore procédé à le changement, on a mis un peu de temps. Faut dire que voilà, Pascal Gatien Mantouche était plus remonté contre le quatrième arbitre suite à cette séquence. Et monsieur Angoula qui va procéder au changement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on renvoie tout le monde au vestiaire? C'est bien la mythe, c'est bien le changement. C'est Mehdi Zéphane qui va entrer. Certains joueurs sur le côté droit, voilà, en piston, Zéphane qui a l'habitude de son rôle. Fin de mi-temps très étrange. Ça fait depuis 7 minutes qu'on est rentré dans ce temps additionnel. Pas de but pour Paris, pour Mayoulou. Coup franc à suivre pour les Clermontois et coach, ça change tout forcément hein, de se retrouver à 1-0. On mène à la mi-temps un partout face au PSG. Ouais, mais je sais pas vous, mais moi je suis vraiment très déçu de ce que fait Clermont contre cette équipe B majuscule de Paris Saint-Germain après avoir ouvert le score que tu n'arrives pas à mieux faire. Sincèrement, je ne suis pas étonné qu'il puisse être dans les deux derniers. C'est vrai qu'on a évidemment beaucoup loué le Clermont Foot de Pascal Gatien pour sa qualité de jeu ces dernières années. Et une faute là sur Mayoulou, sifflée par monsieur Angoula. La mi-temps même. Et c'est vrai qu'ils ne proposent pas grand chose. Ils ont mis un but casquette, les Clermontois, mais ça suffit. David Keïta pour mener 1-0 à la mi-temps. Ce but là qui tombe du ciel, mais profitez-en et dites-toi que bon, s'il y a une chance d'avoir encore l'espoir de se sauver, c'est en faisant un petit peu mieux que ça. Bon, mais là. Il a été refusé le but, mais enfin, je serais étonné que le Paris Saint-Germain n'égalise pas et ne marque pas après un deuxième but. Mais clairement, de ne pas profiter de cette ouverture du score et de l'équipe, le niveau de l'équipe de Paris Saint-Germain d'en face, c'est sincèrement même pas une erreur pour moi, c'est une faute professionnelle. Ouais, en même temps, on peut pas être étonné, Roland. Ils sont venus, ils ont mis le bus, ils marquent, il n'y a pas de raison qu'ils sortent le bus du parking, quoi. Ouais, mais t'as vu ce bus là? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est pas un bus luxueux. Ah non, c'est sûr. Arnaud Valadon et Valentin Jamin, on vous retrouve dans un quart d'heure pour suivre cette deuxième période qui verra donc le Paris Saint-Germain tenter de revenir face à Clermont dans un instant, le 32-16. Parisien Clermontois, on vous attend, vous nous appelez, venez commenter cette première période dans l'After Live avec Coach Courbis. Je vous donnerai également les scores à l'étranger, les principaux résultats du jour d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de matchs très intéressants aujourd'hui. Je lirai également quelques messages sur YouTube, hein, le chat de la chaîne de l'After. Je vous vois, merci d'être là aussi nombreux. C'est l'After Live sur RMC, à tout de suite. RMC, l'After Live. RMC, quart de finale retour de Ligue des Champions. Barça-PSG. Comme pour tous les gros matchs, RMC vous y envoie vivre l'expérience RMC. Transport, hôtel, place pour le match, rencontre avec la team RMC Sport et passage en direct dans l'after. C'est ça, l'expérience RMC. Écoutez bien RMC, dès que vous entendez.
envoyer PSG par SMS au 732-16. 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. PSG au 732-16. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, au stade, se gagne uniquement sur RMC. Vous aimez le poker? Vous êtes fan de l'afterfoot? Chaque soir à 22h45, rejoignez le tournoi Afterfoot sur winamax.fr. Gilbert Bribois et Daniel Riolo vous y attendent pour rythmer vos parties. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC Running. Du 8 au 11 mai à Fourcalquier, 10e édition du Trail de Haute-Provence avec RMC. Un défi grandeur nature au cœur de la Provence. 10 parcours adultes, 4 parcours enfants, des concerts et le passage de la flamme olympique. Infos et inscriptions sur mythp.fr. Le Trail de Haute-Provence du 8 au 11 mais à Fort-Calquier avec RMC. Événement catch sur AB1. WrestleMania est enfin de retour. Ne manquez pas la 40e édition du show le plus chaud de la WWE. Commenté par le duo légendaire Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Par-dessus la troisième corde. WrestleMania, c'est mardi et mercredi à 20h55 en exclusivité sur AB1. AB1 est une chaîne du groupe Media One. Du 10 au 12 mai, le Grand Prix de France Moto vous attend au Mans avec RMC. Nouveau défi pour les Français face au meilleur pilote MotoGP. Johan Zarco doit réussir avec sa Honda et Fabio Quartararo vise un retour au sommet. Reza sur gpfrancemoto.com. Du sport, du spectacle, des animations et des émotions. Du 10 au 12 mai sur le circuit du Mans avec RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Du 21 au 27 avril, RMC présente le Tour Auto. Après deux jours d'exposition Porte de Versailles, près de 240 voitures mythiques prennent la route de Biarritz en passant par la Grange de Mêlée à Tours, Limoges, Carcassonne et Pau. Infos sur tourauto.com. Rendez-vous pour une semaine de passion automobile à travers la France du 21 au 27 avril avec RMC. RMC Rugby. Ce week-end, c'est le retour des Coupes d'Europe. 8 matchs en 3 jours avec 5 clubs français, dont un duel 100% tricolore, Toulouse, Racing 92. Demain à 16h sur RMC. RMC, numéro 1 sur le sport. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. Merci d'écouter RMC, il est 21h58. Excellent samedi soir à tous. J'espère que tout se passe bien, mieux que les Parisiens par exemple, qui sont menés à la mi-temps par Clermont. C'est la 28e journée de Ligue 1, 1-0 pour la lanterne rouge de notre Ligue 1. But signé Habib Keïta en première période, 1-0 face à une équipe B du Paris Saint-Germain. On verra dans quelques instants si Luis Enrique procède à quelques changements ou pas. 32-16, si vous voulez venir, supporter parisien clermontois, analyser cette première période. Comme promis, les résultats à l'étranger, toujours 1-0 pour le Sporting face à Benfica, 26 minutes de jeu. L'affiche entre les deux prétendants au titre, hein, puisque le Sporting a un point d'avance sur Benfica au classement. Benfica, adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa la semaine prochaine. En Italie, 56 minutes de jeu entre Empoli et le Torino, 1-0 pour Empoli. Et parmi les principaux résultats du jour, en Allemagne, la nouvelle victoire du Bayer Leverkusen, 1-0 face à l'Union Berlin. Dans le même temps, le Bayern Munich a perdu à nouveau face à Heidenheim, 3-2. Leverkusen a 16 points d'avance sur le Bayern et Stuttgart d'ailleurs, qui a battu Dortmund 1-0. En Angleterre, Manchester City et Arsenal ont gagné, 4-2 pour City face à Palace, 3-0 pour Arsenal contre Brighton. Donc Arsenal reprend la tête en attendant le match de Liverpool demain. À noter le match nul entre Aston Villa et Brentford, 3-3. Aston Villa, adversaire de Lille, jeudi prochain en quart de finale de Ligue Europa. Et puis en Italie, vous dire que l'AS Rome a remporté le derby de Rome face à la Lazio de Tudor, 1-0. Cet après-midi, l'AC Milan a battu Lecce 3-0. Et dans quelques secondes, début de la finale de la Coupe d'Espagne entre l'Athletic Bilbao et Mallorca. On va suivre ça également en fil rouge sur RMC. À quasiment 22h, accueillons Mickaël, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16 sur RMC. Salut Mickaël. Oui, salut l'équipe. Salut Mickaël. Bon Mickaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette première période? Nous ça va, et toi alors? Et cette compo notamment de Luis Enrique, cette équipe B? La compo, je la trouve pas surprenante en fait, à la veille d'un match beaucoup plus important. Bon, on est quand même largement devant en championnat, donc c'est le moment de faire jouer un peu les, on va dire les remplaçants et de faire des tests avec les jeunes.
Bon, on a des indications déjà, on est tranquille, on sait que Skriniar va pas jouer titulaire hein, contre Barcelone. Ouais. Ça c'est le premier bon, Hakimi est suspendu, c'est pas mal non plus. Hakimi est suspendu, voilà, c'est pas mal non plus, on est d'accord. Moi, j'ai trouvé l'équipe un peu brouillonne, on est d'accord, c'est pas l'équipe auquel on s'attend mais je pense qu'ils sont tous tournés vers Barcelone, donc c'est un match sur le ils jouent un petit pourtant, peu. Pourtant, ils doivent pas y penser. C'est ce qu'avait dit Luis Enrique en conférence de presse. Merde. Ils doivent pas y penser, on est d'accord. Ouais. Roland, tu sais mieux que moi. Je plaisante, évidemment. Non, mais sais, ouais, bien sûr. Sans penser à Barcelone, ce soir, effectivement, bon, pour le Paris Saint-Germain, pour le club, c'est clairement un match qui sert à rien. Mais pour quelques joueurs qui sont titulaires ce soir, c'est quand même le match important pour se montrer, pour marquer des points. Je pense à des Soler, des Colomwani, des Asensio. Bon, bah, autant de joueurs qui sont hyper décevants, quoi. Ouais, alors Colomwani, il est décevant, mais ça, c'est chaque semaine, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ah, je crois qu'on a perdu Mickaël. Pardon, Asensio, je suis plus mitigé parce que je pense qu'Asensio, il est quand même intéressant dans cette équipe et dans la rotation. Et je pense qu'il va pas être titulaire, mais il va rentrer, c'est sûr, contre Barcelone, j'imagine. Il apporte quelque chose. Je pense que l'équipe, elle est faite déjà dans l'esprit de Enrique. Donc là, c'est pas, il y a personne. Et tu penses qu'il y a Asensio dans le 11 de départ contre le Barça? Non, mais je pense bon. qu'il va être remplaçant, comme il l'a toujours été, mais il va rentrer, je pense qu'il apporte quelque chose en plus. Mmh. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il n'y a pas forcément d'enjeu, même pour les remplaçants ce soir, même Colomwani. Non, mais l'enjeu, il est pour Clermont. Et pour les clubs qui jouent la descente avec Clermont. Bon, en tout cas, on va suivre les changements dans quelques instants. Merci Mickaël d'avoir été là. Ouais, en tout cas. Avec plaisir. Bonne messieurs. Soirée. Allez, Mickaël. Bon ciao, match, Mickaël. À bientôt sur RMC. Il y a Shanks qui écrit sur YouTube dans le chat de la chaîne de l'After. Mettez Mbappé, il va débloquer le match. Voilà, on va voir. C'est vrai qu'il y a un banc de dingue. Hein. Mbappé, Dembélé, Lee Kang-in, Donnarumma. Tu mets Mbappé, il se blesse. Alors là, je veux dire, là, ça serait complet. Il y a Chauve qui peut, qui met le seul Mbappé qu'on risque de voir, c'est Ethan Mbappé. Ah oui, qui est sur le banc. J'y avais pas passé. Également. On parie tout de suite sur ce PSG, clairement. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Avec Johan Bredov, notre expert en paris sportif. Il y a forcément des cotes plus intéressantes. Ah, 2-0-5 la victoire du PSG. Ouais, on peut y aller. 2-80 le match nul. 3-0-5 la victoire de Clermont. Au niveau des buteurs, on a toujours Gonzalo Ramos à 2-50. Asensio à 2-95. Colomwani à 2-95 également. Mais voilà, la cote à 2-0-5 du PSG, je la prends. Sinon, moi, je jouerais le 2-1 qui est coté à 4. Coach, on joue quoi? Deux scores, le 1 partout ou le 2-1 et Ramos buteur. Et le 1 partout, 3-50. Le 2-1, 4. Si tu joues l'un ou l'autre, ça permet de doubler la mise. Et donc, Ramos buteur, c'est 2-50. Merci, Johan. À tout à l'heure. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tous les samedis, je me fais avoir. À demain, Johan Bredov. Merci d'avoir été là. Bye bye. 22h03. On est en direct jusqu'à minuit. Notre grande soirée foot se poursuit. Ça vient de partir, la finale de la Coupe d'Espagne. 0-0, bien sûr, entre l'Athletic Bilbao et Mallorca. Toujours 1-0 pour le Sporting face au Benfica. La demi-heure de jeu au Portugal. On fait une petite pause et on se retrouve avec Coach Courbis et nos envoyés spéciaux au Parc des Princes pour la suite de ce Paris Saint-Germain-Clermont. 1-0 pour le dernier de Ligue 1. RMC, l'After Live. Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. RMC, les grandes gueules du sport. On se retrouve demain de 9h30 à midi pour des grandes gueules du sport exceptionnelles en direct de Compiègne pour le grand départ de Paris-Roubaix avec les GG, Jérôme Pinault, Fred Weiss, Marie Martineau et Christophe Cessieu. Au programme, la polémique de la chicane. Est-ce une aberration? Paris-Roubaix a-t-il besoin des Français? Des invités prestigieux seront avec nous. Frédéric Guédon, le dernier vainqueur français, ou encore Thierry Gouvenou, le directeur de la course. À demain, 9h30, en direct de Compiègne, pour les grandes gueules du sport sur RMC. Vous avez déjà séjourné dans une location de vacances qui ressemblait à ça? Cet endroit n'a rien à voir avec les photos. Ah, il y a vraiment une part derrière toutes ces araignées? Si oui, passez à une appli qui vous aidera à trouver de vraies vacances. Ah, là, on est bien. Détendez-vous, vous avez réservé sur Abritel. RMC Running, du 8 au 11 mai à Fourcalquier, 10e édition du Trail de Haute-Provence avec RMC. Un défi grandeur nature au cœur de la Provence. 10 parcours adultes, 4 parcours enfants, des concerts et le passage de la flamme olympique. Infos et inscriptions sur mythp.fr. Le Trail de Haute-Provence, du 8 au 11 mai à Fourcalquier avec RMC. Allez, on va y aller. Bientôt en même temps. Hein. C'est parti.
Ça a commencé par hasard. Rendez-vous de routine chez le dentiste. Mais pas n'importe quel dentiste, hein, le docteur Michel, celui de mon boss. En voyant mes gencives, il m'a conseillé de faire des analyses et la sentence est tombée. Leucémie. Gros sentiment d'injustice. Je fume pas, je bois pas, je fais du sport et je mange bio. Heureusement, j'ai un ami médecin qui m'a rassuré. Un spécialiste qui est aussi sur Lyon, alors ça simplifie les choses. Il m'a proposé un traitement expérimental et ça a été super vite. Depuis, je sais pas si c'est ça ou le soutien de mes proches, mais je suis en rémission. Comme quoi, faut toujours y croire. Pour beaucoup de Français, la santé s'arrête au rythme des inégalités. Parce qu'ils n'ont pas la même qualité de vie et d'accès à des spécialistes, un ouvrier et un cadre ont 6 ans d'espérance de vie de différence. Contre les inégalités, l'information est une arme. Rendez-vous sur inégalités.fr. Du 10 au 12 mai, le Grand Prix de France Moto vous attend au Mans avec RMC. Nouveau défi pour les Français face au meilleur pilote MotoGP. Johan Zarco doit réussir avec sa Honda et Fabio Quartararo vise un retour au sommet. Reza sur gpfrancemoto.com. Du sport, du spectacle, des animations et des émotions. Du 10 au 12 mai sur le circuit du Mans avec RMC. Du 21 au 27 avril, RMC présente le Tour Auto. Après 2 jours d'exposition Porte de Versailles, près de 240 voitures mythiques prennent la route de Biarritz en passant par la Grange de Mêlée à Tours, Limoges, Carcassonne et Pau. Info sur tourauto.com. Rendez-vous pour une semaine de passion automobile à travers la France du 21 au 27 avril avec RMC. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en course sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr. Événement catch sur AB1. WrestleMania est enfin de retour. Ne manquez pas la 40e édition du show le plus chaud de la WWE. Commenté par le duo légendaire Christophe Agius et Philippe Chéreau. Par-dessus la troisième corde. WrestleMania, c'est mardi et mercredi à 20h55 en exclusivité sur AB1. AB1 est une chaîne du groupe Media One. Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. Avec Coach Courbis pour notre grande soirée foot en direct jusqu'à minuit, bien sûr, comme tous les soirs sur RMC. Merci de nous avoir choisi une fois de plus. C'est la Ligue 1 qui nous anime la 28e journée et stupeur au parc. Le leader est mené par le dernier. Clermont mène 1-0 grâce à un but d'Abib Keïta, une équipe du Paris Saint-Germain B. D'ailleurs, on va voir dans quelques instants s'il y a des changements. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Je salue tous ceux qui sont là, notamment Frédéric qui me demande comment va le podcast Lyon. Évidemment, je vous rappelle les podcasts club, hein, si vous voulez écouter ça, une petite vingtaine de minutes au cours d'une deuxième période peut-être moins intéressante. After Lyon, After Paris, After Marseille, les podcasts de l'After sont bien évidemment toujours disponibles, ils sont toujours tout frais, n'hésitez pas à les cliquer. Ça n'a pas bougé à l'étranger, 0-0 finale de Coupe d'Espagne entre l'Athletic Bilbao et Mallorca, 1-0 pour le Sporting face à Benfica. Il reste 10 minutes dans cette première période. On va retourner au Parc des Princes et je vous rappelle qu'au coup de sifflet final de ce PSG Clermont, ce sera l'After sur RMC avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz et avec vous tous au 32-16. On reviendra bien sûr sur ce PSG Clermont, sur le match nul entre Lens et Le Havre cet après-midi. Et puis les drôles de dames seront là. Julien Laurence, Johan Crochet, Fred Hermel pour parler de toutes ces affiches aujourd'hui. Le Parc, Arnaud Valadon, Valentin Jamin, Paris est mené. Va-t-il y avoir du changement pour cette deuxième période? Ça n'a pas l'air. En tout cas, on revoit les mêmes acteurs avec le maillot du Paris Saint-Germain et surtout les remplaçants toujours. Voilà, avec leur blouson, que ce soit Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé pour l'instant, accompagné de son petit frère. Donc on risque de repartir sur les mêmes. Pas tout à fait le 11 de départ, puisqu'on rappelle qu'au bout de 10 minutes, Nordi Mukiele a cédé sa place à Achraf Hakimi, victime d'une commotion. Possible simplement que, par exemple, côté Clermontois, Nicholson entre bientôt parce qu'il s'est échauffé un petit peu sur la pelouse pendant la pause. Lui qui a un profil capable de garder les ballons pour l'attaque clermontoise, puisque coach parlait de la prestation, quand même, c'est vrai, décevante dans le jeu de Clermont, même si pour l'instant, ils sont très contents de ramener 3 points. Peut-être qu'un point d'appui pourrait éventuellement servir, ouais, mais je vois ce que je veux te dire ou faire comprendre, après c'est ma vision, c'est que
Le plus dur a été fait pour Clermont, c'est d'ouvrir le score, marquer un deuxième but maintenant au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain de ce soir, ça me paraît pas être très compliqué par rapport à ce que je vois faire, ou plutôt pas faire de Clermont. C'est une chance extraordinaire qu'ils ont ce soir, Clermont. Et ils sont donc devant grâce à un but d'Habib Keïta à la 32e minute. Bugag avec Skriniar qui rate une relance. Derrière, ça fait un centre, une remise de Virginus et une frappe contrée de Keïta qui lobe tenace. Le coup d'envoi est donné par les Clermontois dans cette seconde période. Donc 1-0 et un premier ballon mis un petit peu par-dessus par Gatien, mais tranquillement maîtrisé par le côté gauche de la défense parisienne, notamment le jeune Yoram Zagué. On est repassé par Arnaud Tenace, le gardien, avec Pereira, Danilo, avec de nouveau tenace. Pas de joueur à l'échauffement, si je regarde bien et que je ne me trompe pas, donc on va attendre pour d'éventuels changements. Paris évidemment doit gagner au moins pour se mettre un petit peu plus en confiance quand même avant de jouer le Barça, même si, vous l'avez dit, c'est une équipe complètement remaniée qui est ce soir sur le terrain. La relance ratée de Danilo était face à trois joueurs, mais Ugarte peut un petit peu sauver ça à l'entrée de sa surface. Il faut sortir et écarter, voilà qui est fait avec Zagué, toujours 1-0. Oui, Roland, sur le fait que Luis Enrique ne fasse pas de changement là maintenant, bon, on peut se dire pas bien grave. L'important, non, c'est mercredi. Il n'y a pas d'urgence. Mais non, je pense surtout pas dangereux. Enfin, je veux dire, pas. Ça serait alors une catastrophe que maintenant il y ait une rentrée de 2-3 joueurs importants et qui puissent se blesser. Ça serait tout le contraire du plan mis en place. Le plan mis en place, c'est une revue d'effectifs. Du Paris Saint-Germain et de démontrer que, ce qui va peut-être être le cas, d'une victoire quand même contre Clermont qui fait une saison très très moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 victoires seulement cette saison pour les Clermontois, mais ils ont encore peut-être une situation. Mauvais contrôle de Cham dans le rond central alors qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer en contre, et très bien joué de la part du jeune Zagué. Ah, mais tu te rends compte le niveau de cette équipe là. Et ballon en profondeur vers Mayoulou, la tête pour sortir ça de Matsima. Est-ce que Carlos Soler va réussir à récupérer quand même? Oui, il va écarter vers Mayoulou au niveau de la surface, complètement côté gauche en retrait vers Carlos Soler, l'Espagnol. Le petit extérieur du droit pour trouver Asensio. Est-ce que c'est trop profond dans le centre en retrait, dans les 6 mètres? Le contrôle de Gatien, devancé par Ramos, mais il est dos au but. La passe en retrait, pas assez appuyé. Dégagement de Magnan. Et on est dans la surface, c'est pourquoi pas intéressant ce genre de course qui plonge dans le dos de la défense. Ça a plu à Luis Enrique qui a applaudi vigoureusement ce mouvement offensif des joueurs du Paris Saint-Germain, avec notamment voilà Asensio qui est allé récupérer ce ballon. Maintenant il demande notamment passer par les côtés, ses chaussettes à Achraf Hakimi à hauteur de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il y a sur le banc comme joueur qui pourrait rentrer sans qu'il y ait un risque de blessure qui serait catastrophique? Je te fais le banc complet du PSG. Alors j'enlève Hakimi qui est rentré, tu as Donnarumma, okay. Ouais. Marquinhos, Fabien, ouais. Ruiz, Vitinha, Kangin Lee, Ethan Mbappé, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Ça réduit quand même les choix, coach. Ouais, hein. Mais Ethan Mbappé. Lee peut-être, pas sûr qu'il soit un titulaire en puissance, mais bon, c'est quand même un risque. Non, il sera titulaire. Sincèrement, superstitieux comme moi je suis, Luis Enrique est parti sur cette idée. Faire rentrer un joueur important maintenant. On le sent, il est passé devant tout le monde. Asensio, deuxième poteau. Carlos Soler va de nouveau centrer. Petit centre piqué. La tête en retrait ratée de Joan Gatien et Hakimi dans les 6 mètres. Il n'a pas mis le pied alors qu'il était tout seul. Sur cette mésentente. Ah ouais, c'est étrange ce qu'a fait Gatien. Il a voulu la mettre à son gardien. Hakimi, il est sûr qu'il joue ce soir? Ah ouais, c'est dingue parce que là, il est tout seul. Oh là là, il rate le ballon. Ouais, bon. Il rate le ballon. Ah, il est juste. Ouais, il est juste. Non, il rate vraiment le ballon. Ouais, pour il rate le coup. Ballon, hein. Il rate complètement le ballon. C'était une balle de but, hein, clairement, pour Paris. Toujours donc 1-0. Et ils se sont fait peur, là. Joan Gatien, qui a voulu mettre cette tête en retrait en toute sérénité vers Massamba Ndiaye, mais c'était loin d'être serein. Attention, parce que Skriniar a un ballon à négocier. C'est bon. Face à Virginus, il a pu la mettre en retrait vers Arnaud Tenas, puisqu'il a fait une boulette, Skriniar, notamment sur le premier but. C'est lui qui donne le ballon à Magnan, la relance. Avec, Zagué, il a essayé de trouver devant lui Mayoulou qui a obtenu une faute dans son camp. On va repartir à l'opposé maintenant avec Danilo qui va avancer et Hakimi qui va prendre son couloir. Est-ce qu'il va être servi? Oui, au milieu de terrain. On l'a passé, ce milieu de terrain. Achraf Hakimi, le Marocain, va fixer, va accélérer face à Gatien. Il s'est un peu enfermé. Devant lui, il y a tout de même Colomouani qui se perd un peu dans ses dribbles. La mauvaise passe interceptée par Coffrier et la relance de Magnin. Contré une première fois et le ballon revient inévitablement là
dans les pieds des Parisiens qui sont à deux de plus en plus haut. Plus le temps avance et plus c'est dur de sortir. Avec un Kylian Mbappé bien enfoui sur le banc, dernière rangée avec la capuche de mise. Le centre, le contrôle de Kolo Muani, deuxième poteau, il est pas très bon. Il a demandé une main. On demande une main côté parisien alors qu'il avait contrôlé de la poitrine. Il y avait face à lui un défenseur parisien encore la possession avec Hakimi qui a tenté de la mettre devant lui. Ouais, c'est contré par Borges. Ça manque un peu de conviction aussi pour le Marocain qui trouve derrière lui Danilo. Danilo s'appuie dans l'axe ouverté sur sa droite Hakimi avec Soler. Oh, très limite Hakimi, pas loin de la touche. C'est sauvé. Il est où là? Ouais, il est pas sûr. Enfin, il est sur le terrain, mais peut-être que sa tête est ailleurs. En tout cas, il a du mal. On rappelle que c'est bien Moukile qui a eu une commotion. Hein. C'est vrai. Zague qui se réaxe un petit peu pour trouver Danilo. Il est à 40 mètres. Mais là, c'est dur de trouver les solutions. Le centre d'Hakimi du pied droit va passer au-dessus de Carlos Soler, dégagé par Matsima. Et ça revient encore une fois sur Danilo. Attention, le contrôle de la poitrine un peu long. Pressing de Virginius, mais il le garde, les Parisiens. Et ça s'intensifie, en tout cas, cette maîtrise, mais pas de. Grosse occasion, on va dire. Hakimi qui essaie de passer tout seul, mais vu le soir dans lequel il est, on était à peu près sûr que ça marcherait pas. Il a été contré. Et le dégagement, mais là, il va falloir tenir, hein, parce que Coffrier, il rend le ballon vraiment à Danilo, qui rend le ballon à Zepa, qui rend le ballon à Ugarte. Si clairement on ne fait pas mieux, ça fait. En football, des fois, il y a des surprises. Mais ça serait quand même compliqué qu'ils aillent jusqu'au bout. Hakimi, le joueur qui a perdu le plus de ballons, 15 ballons perdus. Et encore, il n'a pas joué les 10 premières minutes. Ouais. La preuve qu'effectivement, par les chiffres, c'est un match très difficile pour celui qui a le ballon sur son côté droit. Il essaie d'avoir un peu d'espace, mais à chaque fois, il a du mal à centrer. Un peu trouvé devant lui, Carlos Soler, qui a fait la course. Il va centrer fort, premier poteau, dégagement de Coffrier. Avec Borges, on repasse par l'axe dans la surface, c'est dangereux. On demande de dégager du côté de NDI, c'est fait. Alors que Cham avait tenté une petite remise en retrait, mais ce dégagement, ça revient dans les pieds à chaque fois de Danilo. Là, ça va être dur quand même pour Clermont s'il ne propose pas autre chose. Tu as raison, coach. Ah oui. Parce que Clermont, on l'avait dit, il a fait un joli coup l'année dernière en gagnant 3-2, mais c'était avec un peu plus d'audace. Là, la situation, elle est loin d'être la même. À la 38e journée, voilà, ouais. Dans le contexte particulier. Évidemment. Et Paris, d'ailleurs, était sûrement démobilisé aussi. Mais là, ça va être dur à Hakimi. Il a essayé de dribbler sur son côté droit Coffrier. Le retour de Mani, hein, pour sortir ce ballon avec Neto Borges. C'est bien joué, Virginius, mais on est toujours au niveau de la surface. C'est bien joué, le jeu à 3, mais le retour de Mayulu, inévitablement, ça revient dans les pieds de Paris. Eh ben, c'était presque une bonne sortie. Ouais. Presque. Avec pratiquement deux passes enchaînées coup sur coup. Ouais. C'est vrai que les Clermontois là ont du mal. Comme en début de partie, hein. Ils touchaient pas aussi un ballon en début de partie les joueurs de Pascal Gassien. Mais bon, écoute, c'est le dernier de Ligue 1 qui est en difficulté, qui en a pris trois. Ouais, et que tu comprends ce soir qu'il puisse être dernier. Ouais. Avec le manque de confiance aussi, tu vois, c'est compliqué hein, pour cette équipe qui en a pris 3 contre Toulouse la semaine dernière, qui avait gagné au Havre aussi. Alors c'est vrai qu'ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut hein, contre Nantes, contre Lorient, aller prendre des points contre les adversaires directs. Kolo Muani dans la surface côté gauche, la passe en retrait vers Ugarte qui peut peut-être frapper à l'entrée de la surface, c'est dévié en corner par une tête clermontoise. Il faut choisir parfois la solution de frapper de loin quand on n'arrive pas à réussir à créer dans la surface, dans les 16 mètres. Et cette frappe, elle a été contrée par la tête de Keita, ouais, je crois, le buteur. Corner à venir, le premier de cette seconde période. Pour Paris, 1-0 pour Clermont, hein, toujours. 53e minute de jeu, de la gauche vers la droite, c'est parti pour le pied d'Asensio, dégagé par la tête de Coffrier. Deuxième ballon à Hakimi, qui va la remettre sur la gauche, là-bas, vers Asensio, qui va la remettre un long centre touché. Et de nouveau, un corner. Que va jouer Asensio, puisqu'il a vite demandé le ballon, il l'a vite eu. On veut mettre un petit peu de rythme pour le PSG. Corner joué à deux avec Hakimi en retrait, toujours de la gauche vers la droite, la met en retrait encore avec Zague à l'entrée de la surface, le petit ballon second poteau, pourquoi pas la tête de Coffrier pour sortir ce ballon, mais il ne sort pas de la surface. Elle est sur la droite avec Skriniar, ça vient en retrait, le centre, la reprise, Kolo Muani, le ciseau, il l'a raté alors qu'il avait réussi pourtant à toucher ce ballon, peut-être un peu du tibia, et NDI peut capter ça tout heureux et tranquillement. Oui, parce que le centre de Skriniar est touché par Johan Magnin, ce qui donne change un petit peu la trajectoire, mais il avait quand même bien senti Kolo Muani, il a manqué peut-être un peu la puissance sur cette tentative de retourner acrobatique qui aurait pu aboutir à un but magnifique. Luis Enrique qui a appelé un de ses adjoints pour quelques consignes, toujours pas de joueur parisien du banc de touche en train de s'échauffer. C'est pas dit qu'il y ait des changements pour garder la ligne directrice, coach. Peut-être Marquinhos quand même, qui revient de blessure, qui devrait jouer. Et qui battrait un record, en tout cas qui égaliserait un record. Ouais. Ça serait son 435e match sous les couleurs parisiens. Et qui dit 435 dit le nombre de matchs de Jean-Marc Pilorget, le recordman sous les couleurs parisiennes de 75 à 89. Donc ça serait quand même un petit événement. Roland, tu le fais rentrer, Marquis? Ouais, pourquoi pas, mais il a besoin d'un peu de rythme, lui. Mais ouais, d'accord. Donc, peut-être en discutant avec lui-même que lui
aussi aimerait peut-être rentrer. Mais à partir du moment où tu es entraîneur, tu es parti sur cette idée de ne pas prendre de risques, eh bien, tu as l'inquiétude de la blessure. Et donc, si tu as l'inquiétude de la blessure, ben, tu ne prends pas de risques. Puis pour le coup, Marquinhos, c'est à la place de qui ? Tu as déjà fait un changement en défense. Là, c'est peut-être pas derrière le plus gros problème du PSG aujourd'hui. Ouais. Bon. Ouais, mais Skriniar qui revient aussi, tu vois, peut-être pas, tu peux partager le temps de jeu. Tiens, égalisation de Benfica face au Sporting juste avant la pause. Alors, au moment où je vous dis ça, je vois que l'arbitre met la main à l'oreillette. Ça va peut-être être annulé. Mais c'est Bah qui a égalisé un partout entre les deux équipes. Bon, je vous dis si c'est annulé ou pas, mais on va partir sur pour l'instant ce un partout. C'est l'After Live sur RMC. Le centre de Soler, dans les 6 mètres, alors que qui avait plongé là, c'est Ramos. Ça a été sorti par un Clermontois. Deuxième ballon à Kimi en retrait. Ougarté, le pressing de Virginius, on repasse par Skriniar qui va vite aller voir de l'autre côté avec Zague qui peut maintenant servir Mayulu. On est à 30 mètres, il va essayer de se réaxer un peu. Ils ont reculé les Parisiens, mais Soler avait été bien servi à droite de la surface, le centre fort et la défense clermontoise qui plonge pour empêcher Ramos en renard pour le coup, en vrai numéro 9, de sortir ce ballon. Le centre de Mayulu, le ballon va passer devant tout le monde et revenir sur Danilo Pereira qui est à 35 mètres. Il a hésité à la remettre dans la surface, écarte à droite vers Hakimi. 1-0 pour Clermont toujours. On approche doucement de l'heure de jeu. Le but de Keita à la 32e. Skriniar maintenant. Et là, on continue de faire un petit peu des demi-cercles avec le ballon à droite, à gauche, à gauche, à droite. Zague qui va retrouver Danilo, mais c'est stérile. 1-0 pour Clermont, 56e. Le but de Benfica est bel et bien validé. Un partout, c'est la pause face au Sporting. Roland, Paris toujours mené, mais quand même, ces 10 premières minutes en deuxième période, c'est quand même relativement meilleur qu'en première période. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Il y a plus de danger. Quoi. Même, bon, après, le football réserve des surprises. Si le Clermont ne fait pas plus que ce qu'ils font, là, c'est-à-dire qu'ils font pratiquement rien, ça va être très difficile d'aller au bout. Tu vas te prendre une égalisation et après, sur la lancée de l'égalisation, le Paris Saint-Germain va gagner ce match. Maintenant, attention, ils peuvent peut-être tenir le coup, mais ça serait vraiment un exploit pour moi qu'on puisse tenir le coup sans rien faire. Le but à côté, pardon. Les filets ont tremblé, mais Danilo a mis sa tête à côté au second poteau avec l'effet d'optique sur ce coup franc tiré par Asensio au second poteau, enroulé, et c'est bien le filet extérieur qui tremble. C'est sûr que si tu n'arrives pas à cadrer avec une tête et que tu fermes les yeux quand tu fais les têtes, là, le Clermont peut gagner. Hein. Deux Parisiens partent à l'échauffement. Kanginli, Vitinha, et visiblement Kylian Mbappé s'active aussi sur son banc de touche et va aller s'échauffer. Voilà, trois Parisiens à l'échauffement. Kanginli, Vitinha et Kylian Mbappé. Avec quelques clameurs dans ce Parc des Princes. Évidemment. Non, Marquinhos, pardon. C'est pas Vitinha, c'est Marquinhos, Kanginli et Mbappé. C'est pour Mbappé, hein. La majorité des Ola d'ailleurs. Allez-y. Et s'il se blesse, on fait quoi ? Bah, déjà, faut qu'il rentre, mais s'il se blesse, on pleure. Tous. Tu veux qu'il se blesse à l'échauffement ? Non, mais s'il se lève, c'est justement pour jouer. Oui, et je pense que Kylian n'a pas du tout la tête à jouer ce match-là ce soir. Bon, il y a toujours la tête à jouer, Mbappé. Non, sachant que ça serait son 300e match avec le PSG, c'est une petite symbolique. Oui. Mais c'est vrai que la question va se poser, on va voir s'il entre déjà. On sait que des fois certains vont s'échauffer pour faire un petit peu tourner le mécanisme sans forcément entrer. Donc effectivement, c'est vrai que ça on l'a pas encore vécu, hein. Un Mbappé qui s'échauffe pour pas rentrer. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Bah ça c'est vu, des fois ils envoient par groupe de petits joueurs, trois joueurs qui vont s'échauffer, qui reviennent, on en envoie trois autres. Ça on envoie de temps en temps, coach, quand même, hein, en ouais, Ligue 1. Ils ont galé pour un petit peu s'entretenir de pouvoir transpirer un peu pour prendre la douche après. Et en tout cas, on peut discuter de tout ce qu'on veut parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Les Parisiens ont continué de faire tourner pendant qu'on parlait sans se montrer dangereux. Et là, les Clermontois ont réussi à remettre un peu le pied sur le ballon et à tourner. Même si on a trouvé Ndiaye, et immédiatement, il est obligé de dégager face au pressing de Colomoni. Et Skriniar, il est tout seul pour contrôler de la poitrine et transmettre à sa gauche à Yoram Zague. Le jeune joueur de 17 ans et au niveau du milieu de terrain trouve Skriniar dans le rond central. À sa droite maintenant, Danilo Pereira. Est-ce qu'il va pousser un petit peu vers Hakimi ? Non, la passe Penax, c'est bien joué vers Ramos qui peut contrôler vers le but malgré le retour de Keita. Ramos qui avance, il va s'approcher de la surface légèrement côté gauche. Il cherche une solution, il n'y en a pas beaucoup. Mayulu à sa gauche, le contrôle un peu long, mais il a réussi à éliminer Zéphane sur son pied gauche. Mayulu le centre, il s'est raté derrière la barre sur cette frappe d'Hakimi alors qu'Asensio avait manqué le ballon. Et Hakimi au deuxième poteau vient frapper sur la barre de Massamba Ndiaye. Ça se rapproche et ils jouent de malchance quand même, les Parisiens. Finalement, ils vont peut-être tenir le coup. Hein.
Il joue de malchance parce que sur le but. Oh, le contre-attention. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Mania? Il a mis en profondeur vers Virginus. Mais il n'y a pas de hors-jeu. Il est en retard, Skriniar, mais le contrôle de Virginus est pas bon. Oh. Il va filer en 6 mètres. C'était étonnant parce que Mania, il y avait un 2 contre 2 à jouer. Il était tout seul dans le milieu. Il a mis une grande sacoche. Il s'est dit non, mais à la vitesse, parce que Virginus est parti de son propre corps, donc pas de hors-jeu. Il s'est dit on va envoyer un long ballon devant. Et à la vitesse, il aura forcément Skriniar. Ce qui s'est passé, mais le contrôle a mal été assuré derrière. Et oui, Hakimi, vigilant là, au deuxième poteau après Kramos ait manqué le ballon et un petit peu de façon coup de pied a trouvé cette barre transversale, une grosse occasion parisienne. Okay. Donc la tête de Danilo, la transversale d'Hakimi, bon, c'est vrai qu'ils peuvent tenir Clermont, attention, le but annulé avant la pause. Ouais. Le temps, le score, messieurs. 1-0 pour Clermont, l'heure de jeu ici au Parc des Princes, le but de Keita. On va faire une petite pause dans l'after live et on se retrouve tout de suite. À moins que Carlos Soler puisse servir devant lui. Ramos, la frappe, et c'est contré. Deuxième chance, Ramos encore contré. Ce sera un corner pour Paris sur ce service de Carlos Soler dans le dos de la défense pour Ramos. On le suit rapidement. Bien sûr. Évidemment, avec ce sera de la droite vers la gauche. Il y a un joueur blessé pour Clermont qui est resté au sol sur le début de l'action, donc ça peut prendre un peu de temps. Qui est-ce? Et soit-il se relever, on va voir ça tout à l'heure. Arnaud Otenas est venu aux nouvelles, on est quasiment dans le rond central, il se relève. Le joueur clermontois, c'est peut-être Virginus, effectivement, le joueur prêté par le LOSC, qui est en train de revenir. Corner pour Paris, alors que Ramos, cette fois-ci, s'était retrouvé en position de frappe. Le corner de la droite vers la gauche tiré par Achraf Hakimi, le Marocain, toujours 1-0 pour Clermont. C'est mal tiré au premier poteau, c'est dégagé. Ok, ça fait toujours 1-0 pour Clermont à Paris, l'heure de jeu. Mallorca a ouvert le score en finale de Coupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. 24 minutes de jeu, on fait une petite pause et on retourne au Parc des Princes avec Arnaud Valadon, Valentin Jamin et coach Courbis. A tout de suite sur RMC. RMC, l'After Live. L'Afterfoot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android. Les amis, c'est Alexandre Ruiz. Si vous êtes fan de la Ligue 1 Uber Eats, téléchargez l'application Free Ligue 1, car lors de chaque journée de championnat, quel que soit votre opérateur, vous avez la possibilité de voir sur vos téléphones, en quasi-direct, tous les buts des 10 matchs. Et ensuite, tous les résumés de chaque rencontre quelques minutes après le coup de sifflet final. Et ça, c'est gratuit sur l'application Free Ligue 1. L'appli est donc disponible tout opérateur gratuitement sur mobile Android et iOS. Accès libre aux rubriques buts et résumés, hors coût de connexion. Offre soumise à condition, rendez-vous sur free.fr. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est au cœur de chacun de nous. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter. Parce que je crois que c'est ça qui fait avancer la société. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier. Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Inscrivez-vous au concours sur lajusticerecrute.fr. Ceci est un message du ministère de la Justice. Moi, quand je vois une bonne affaire, je suis un peu genre... Allez, les gars, on y va. Alors, quand j'ai vu le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus à seulement 1€ chez SFR, là, c'était... Alerte générale ! Jusqu'au 30 avril chez SFR, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est à seulement 1€ avec le forfait 210Go 5G. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez-vous. 5G sous réserve de couverture. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions après 40€ remboursés sur demande. Engagement 24 mois. Oh là là, ça fait quoi, 20 minutes que je te connais? J'ai déjà envie de tout plaquer, de m'acheter un T-Roc à 159€ par mois et de t'emmener où tu voudras en fait. 159€ par mois? N'importe quoi. Si, si, c'est vrai. En ce moment, profitez du T-Roc à partir de 159€ par mois et de 3 mois de loyer offert. Pour un T-Roc 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 5 000€, puis 33 loyers de 159€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,49€. Les fraises gariguettes ? Très oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes est à 2,49€. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Eh oui, je vous en ramène une barquette. Toi, ramène ta fraise, t'es mal embarqué. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024, opération Lidl Kids Team du 11 mars au 7 avril 2024. 9,96€ le kilo, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. La dernière répétition avant la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui reçoit le dernier de notre Ligue 1, Clermont. Coach Courbis, Arnaud Valadon, Valentin Germain. Et pour l'instant,
ça se passe pas bien pour le PSG. 1-0 pour Clermont. Le but sur un contre et une action casquette de Habib Keïta un peu après la demi-heure de jeu. Et la Nicholson est entrée pour Clermont. Il vient d'obtenir un corner après avoir mangé Skriniar sur un crochet à gauche de la surface. Corner donc à venir pour les Clermontois, tiré par l'Autrichien Cham de la gauche vers la droite. Ce sera sortant. Il est tiré ce corner. Il est bien tiré, la tête, l'arrêt de Tenas sur sa ligne, sur cette tête de Coffrier. Frayeur au Parc des Princes, mais finalement sans incidence et ça va bouger. Trois changements à venir, Kangin Lee, Marquinhos et Kylian Mbappé vont rentrer dans un instant, donc ces changements opérés par Luis Enrique à 25 minutes de la fin de cette partie. Trois joueurs évidemment importants qui auront un rôle important dans 4 jours face au FC Barcelone sur cette même pelouse au Parc des Princes. Mais voilà, pour eh bien permettre au PSG de revenir dans cette partie, ces trois changements qui vont être opérés dans un instant: Mbappé, Marquinhos, Kangin Lee. T'es pas content de voir Mbappé Non, c'est une erreur, tu penses? Non, je ne sais rien. Sincèrement. Là, on sent que t'as peur de lui porter la guigne. Voilà, exactement. Bah non, mais sans porter la guigne. Voilà, donc je touche du bois et sans porter la guigne, bah, laisse-moi toucher du bois. Mais il veut essayer de gagner le match et il voit que tu peux pas, là, même avec cette équipe. En termes de rythme, Roland, c'est pas intéressant de lui faire jouer une petite demi-heure à 4 jours du Barça à Mbappé? Ah ben écoute, chacun a sa vision de voir les choses. Non mais je te pose la question, moi je suis pas ancien coach comme toi, on lance pour ça. Ben moi je pense que je l'aurais pas fait, mais c'est pas parce que je l'aurais pas fait que c'est la bonne solution, mon coco. Ok. Donc tu as quand même un garçon comme Luis Enrique qui est très intelligent. Donc à partir du moment où il décide ça, ben c'est que c'est la bonne solution. Et il donne d'aller des consignes à Kylian Mbappé qui lui a fait ok. Voilà, ils vont rentrer au prochain arrêt de jeu. C'est juste qu'il en a pas eu depuis 2 minutes. Donc Marquinhos, Kangin Lee, Mbappé, faites vos pronos pour les joueurs qui sortent. Skriniar, désolé hein, mais Skriniar c'est inquiétant honnêtement. Tout à l'heure il s'est fait manger sur le crochet et là il fait une relance complètement hazardeuse. On sent qu'il y a un gros manque de confiance de sa part. Faute au milieu de terrain, les changements vont. Je mets une question sur lui. Skriniar pour Marquis. Ouais. Et bon, on va voir. Le premier changement annoncé. Bravo. Oui, bravo. Okay. Et allez, ta deuxième pièce. La deuxième, Colomboigny pour Mbappé. Ok. Et là, il y a Kangin Lee, probablement, va être annoncé avant. Et Kangin Lee, c'est solaire, mais bon. Non, c'est Mayulu. C'est Mayulu. Ouais, Kangin Lee. Et là, Mbappé, tu as dit Colomboigny. Ouais. Donc, on va voir si numéro 23 s'affiche peut-être Gonçalo Ramos. Ah. Je serais peut-être plus sur Gonçalo Ramos. Allez. On va voir. Donc, Kangin Lee qui rentre et Kylian Mbappé va remplacer. Ou Asensio, là. Va remplacer Colomboigny. Ouais. Bravo Thibaut. 2 sur 3. Qui avait eu une grosse occasion juste avant, hein, sur une percée d'Hakimi. Il avait eu une contre-favorable. Voilà, l'ovation pour Mbappé et Colomboigny qui avait récupéré le ballon en angle fermé. Il avait frappé fort sur Massamba Ndiaye qui avait sorti en corner. On va regarder le positionnement, hein, devant. Notamment, on peut demander à Thibaut Enrique, hein, il sait. Oui, c'est vrai. Eh ben, on va vérifier si Mbappé va sauver une énième fois son Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et s'il va une énième fois faire trembler les filets, ça serait son 40e but cette saison, toute compétition confondue. En 40 matchs. Alors que le speaker vient d'annoncer, Arnaud, le record dont tu parlais, hein, de Marquinhos, qui donc égale Jean-Marc Pilorget. Avec son 435e match sous le maillot du PSG, il le battra peut-être contre Barcelone. C'est quand même énorme, ça. C'est immense, effectivement, pour le jeune joueur arrivé de, enfin le jeune joueur à l'époque arrivé de la AS Rome, ouais. Qui donc aujourd'hui est devenu un taulier et capitaine. Mbappé, premier ballon, il a décroché, il est légèrement côté gauche. Il est applaudi d'ailleurs dès qu'il touche le ballon face à Matsima. C'est écarté avec Kangin Lee maintenant en retrait vers Zague pour repasser par l'axe avec Ugarte. La transversale à droite dans la surface, trop longue peut-être, non. Hakimi peut la dévier de la tête. C'était dur. Au-dessus. Et 6 mètres à venir pour Massamba Ndiaye. Toujours 1-0 pour Clermont. Et on va bientôt entrer dans les 20 dernières minutes de jeu. C'est l'After Live, vous êtes sur RMC. Merci beaucoup d'être là pour le dernier match du Paris Saint-Germain avant le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça. Ce serait mercredi. D'ailleurs, ça va être une semaine exceptionnelle, hein, sur RMC, semaine de Coupe d'Europe avec nos matchs en direct des stades, l'After, les libres antennes jusqu'à 1h30 du matin. Ça va être une grande semaine. Mais c'est déjà une grande soirée jusqu'à minuit ce soir, puisque coup de sifflet final de ce Paris Saint-Germain. Clermont, ce sera l'After avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16 et le drôle de dame qui seront là ce soir parce qu'il y a notamment la finale de la Coupe d'Espagne, toujours 1-0 pour Mallorca face à l'Athletic Bilbao, 32 minutes de jeu. Et puis avec Julien Laurence, des nouvelles d'Aston Villa, l'adversaire de Lille, la course au titre avec les victoires aujourd'hui de City, Arsenal, ou encore le derby de Rome avec Johan Crochet, le parc, Arnaud Valentin. De l'espace pour Mbappé, côté gauche, il va entrer presque dans la surface, écarte à sa gauche avec Kangin Lee qui va aller fixer le soutien encore de Mbappé qui est en jambe, qui est trouvé, s'appuie juste devant lui vers Asensio dans les petits espaces, le centre d'Asensio contré et Matsima va pouvoir relancer devant lui.
buteur Keita sur sa droite avec Cham, mais finalement on est obligé de dégager évidemment du côté de Zéphane, pardon, et c'est conservé, bien joué par Shamar Nicholson. Vous avez déjà séjourné dans une location de vacances qui ressemblait à ça ? Cet endroit n'a rien à voir avec les photos. Ah ! Il y a vraiment une part derrière toutes ces araignées ? Si oui, passez à une appli qui vous aidera à trouver de vraies vacances. Ah, là, on est bien. Détendez-vous, vous avez réservé sur Abritel. Après avoir touché la barre déjà tout à l'heure, et là c'est vraiment Ramos à bout portant qui touche la barre, incroyable. Ouais, la frappe est lointaine, il y a une première parade du gardien qui repousse le ballon et oh là là. Ramos, c'est dingue, il met le plat du pied, sauf que le ballon prend une trajectoire qui s'élève et qui heurte la barre transversale et derrière Mbappé peut pas suivre. Énorme occasion. Et le contre avec Cham maintenant à l'entrée de la surface, il a gagné une excellente faute juste à l'entrée de la surface parisienne, faute de Ugarte. Ouais, coup franc dangereux. Ah ouais, c'est le meilleur joueur de cette équipe, hein, Cham. Oh, c'est très léger, j'ai l'impression. Ah, il touche pas le ballon, il met sa cuisse en opposition. Bon. Ouais, ça le déséquilibre un peu. Ça agace Ugarte. Et ouais, c'est une vraie cartouche hein, pour les Clermontois qui viennent d'avoir très très chaud. Deux barres transversales touchées par Paris. Ça, c'est les scénarios, coach, de 1 et que ça peut faire 2-0 derrière. On sait des fois que le football. C'est bizarre. Alors, le coup franc, qui va le tirer ? Est-ce que c'est un gaucher ou est-ce que c'est plutôt un droitier ? Parce que c'est légèrement assez retiré. Ouais, ce sera un Cham, hein. Ouais, ce sera pour le numéro 10. En tout cas, c'est plutôt pour un droitier si on veut le tirer directement, parce qu'il est légèrement décalé à droite à un peu plus de 20 mètres. Si on veut centrer, effectivement, c'est plutôt bien d'avoir pourquoi pas Cham, même si ce sera pas, on va dire, rentrant ou fuyant. Tu n'as pas le gardien titulaire. On rappelle, c'est Tenace dans les buts, pas Donnarumma. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait un immense coup quand même de la part de Clermont de marquer un second but. Il mène 1-0 depuis la demi-heure de jeu et ce but de Keita, cette frappe contrée par Ugarte qui avait lobé Arnaud Tenas. Il y a un mur avec 4 joueurs parisiens que Gaël Angoula a placé. Un joueur devant, c'est Johan Gatien qui essaye un petit peu de gêner. On prend le temps évidemment pour l'international autrichien qui affrontera d'ailleurs peut-être les Bleus hein, à l'Euro, puisque l'Autriche est dans la poule de l'équipe de France. Il y va avec son pied gauche, c'est tiré direct juste au-dessus. Petite frayeur quand même. Tenas a plongé, il a fini dans son but et il va dégager. 1-0. Il était plutôt dessus, mais c'était bien fait. Changement côté Clermontois avec Jérémy Jacquet, défenseur impressionnant. Il doit tutoyer les 2 mètres, hein, qui remplace Johan Magnin. Les Clermontois, 18 minutes de la fin de cette partie, tiennent. Ils mènent 1-0 et le Paris Saint-Germain, donc, à 4 jours de Barcelone. Certes avec une équipe fortement remaniée, mais c'est jamais des signaux très positifs. Mais encore une fois, avec une équipe remaniée à 100%. Hein, quand tu prends le 11 de Rennes, 11 changements effectués par Luis Enrique au coup d'envoi de cette partie. Et probablement autant. Oui, c'est sûr. Ouais. 22 changements en une semaine. Jérémy Jacquet qui va entrer, jeune défenseur de 18 ans qui est prêté par Rennes cet hiver où il était formé depuis 2019. C'est seulement sa deuxième apparition. Hein. Il a joué un peu contre le Havre, mais c'est un garçon qu'on voit quasiment jamais. Mais on comprend avec le gabarit et la volonté de Pascal Gatien probablement de resserrer encore derrière. Et natif de Bondy, Jérémy Jacquet. La ville évidemment de Kylian Mbappé. Comme Kylian Mbappé, effectivement. Il y a eu des consignes échangées, notamment entre Enrique et Soler. Il est en train d'en donner également à Achraf Hakimi. Et le ballon est dans les pieds de Paris, dans le camp parisien. Zague à l'opposé pour Marquinhos, qui va pouvoir peut-être avancer un peu. Il a le brassard autour du bras et carte à droite vers Hakimi. On est toujours dans le camp. Alors à chaque fois qu'un joueur prend une consigne auprès des Winkey, et on fait ouais, coach, ok. Je sais pas, coach, si à chaque fois que tu donnes une consigne, le joueur disait oui, pas de problème. Est-ce qu'il appliquait derrière sur ouais, voilà. Tu vois pas qu'il te dise non, pas question. Non, mais bon, c'est. Tiens, chaque fois. Ouais, de là, est-ce que c'est appliqué, mais toujours marrant de voir. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok, là, Hakimi a fait le pouce. Mbappé a dit ouais, il a fait acquiescer. Bon. Est-ce que ça va changer quelque chose ? On va voir parce que. Hakimi, il a dû lui dire tu peux être un petit peu meilleur, s'il te plaît. Tu peux. Ouais, pas de problème. Allez, Danilo dans le rond central. Tous les Parisiens dans le camp de Clermont. Il a avancé Danilo. La met sur sa gauche légèrement en retrait vers Yoram Zague qui, on rappelle, fait son premier match avec Paris. Il le met sur sa gauche à Kylian Mbappé.
à fixer un petit peu Cham. La longue transversale à l'opposé vers Carlos Soler qui cette fois s'est déplacé complètement côté droit alors que Hakimi s'est un peu réaxé. Soler le contrôle à 25 mètres, il est maintenant plein axe puisqu'il s'est avancé. La mauvaise passe de Soler, complètement raté, intercepté par Zéphane, et Cham va gagner un coup franc. Ah, Soler il peut dans son corps. Place à Clermont. Je suis pas sûr, Roland, c'est ça que je veux dire. Je suis même pas sûr, franchement. C'est un de ces garçons qui joue juste seulement dans ces occasions en fait, hein, où il y a du turnover, mais il a absolument pas la confiance de Luis Enrique. Il est souvent éclipsé. Hein. Et la confiance, il a surtout pas le niveau. Et encore, attention pour mercredi, parce qu'avec l'absence d'Hakimi, on sait que parfois il l'a mis arrière droit. Bon, ouais, on imagine plutôt Zaïre Emery arrière droit, mais pas à l'abri d'avoir Soler arrière droit face à Barcelone. Un point, temps et score, messieurs. 1-0 pour le Clermont Foot à Paris, la surprise au Parc des Princes, un but de Keita à la demi-heure de jeu, il reste un quart d'heure à jouer. On fait une dernière pause dans cette rencontre, comme ça on vit ce dernier quart d'heure en intégralité sur RMC avec coach Courbis, Valentin Jamard, Novel Adon, c'est la 28e journée de Ligue 1 et le leader, le Paris Saint-Germain, à 4 jours du Barça, perd face à la Lanterne Rouge avec son équipe B. Est-ce que ça va tenir? Réponse tout de suite sur RMC. Le côté à gauche, Kylian Mbappé s'est dégagé par le dos d'un Clermontois, ça revient ils dans sont, dès l'instant qu'il y a un ballon un peu Kylian, pas comme ça, enfin voilà, là la talonnade maintenant, t'es mené 1-0. Oui, allez, Ougarté qui a voulu prendre les mains. Jouer avec les mains, le ballon. Et messieurs, et surtout, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le petit Zagué, en plus oui. il est pas à son poste parce qu'il est arrière droit. Hein. Ouais. Oui, mais il fait le taf. Ouais, mais après avec ce qu'il fait là, on pourra pas se le mettre arrière droit à la place d'Achraf. En tout cas, deux barres transversales, un but annulé. Oh là 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 là, allez! Un pénalty un peu oublié. N'importe quoi, les mecs. Non, mais là, c'est. Regarde. Puis, il mais non, on joue pas, regarde. Et c'est eux qui prennent les ballons, tous les ballons, regarde. Mais c'est pas normal. Le mec, il balance le ballon au hasard et c'est toujours un Clermontois qui est en dessous le ballon. Allez, on va y aller, on va jouer. Donc là, c'est même pas faute de gamin, quoi. Monsieur Angoula, il y allait. Levez-vous, arrêtez un peu. Ça, au moins, c'est bien. Ancien joueur. Ouais. Ancien joueur pro, allez. Arrêtez un peu. Sachez que Ugarte a pris le jaune. Hein. Ouais. Ça avec Carlos Soler, il a les contres pour lui dans cette rencontre. Kylian Mbappé, il en a deux. Il a une prise à deux sur lui, sur le côté. Ah, il n'y arrivera pas. Ça, j'aime pas quand il fait ça. C'est pas mon. Il est trop facile. Ouais. Allez, après, Carlos Soler. Il arrive en sauveur. Hein. Zagué. Enfin, pour l'instant, le sauveur n'a pas encore frappé. Marquinhos pour Kanginli qui est passé à droite. Kanginli. Accroché 2, 3, 4 fois. Ouais, ça c'est bien de la part d'Ugarte. C'est pour Hakimi, mais pourquoi il appuie pas plus? Ça passe, c'est pas possible. Ça devient vraiment frustrant, Rico. Ouais, parce que Hakimi il est pas dans le coup. C'est une très mauvaise entrée de sa part. Enfin, mauvaise entrée, il est rentré depuis longtemps. Mais Carlos Soler. Oh. C'est bizarre. Hein. Il est partout, Massamba Ndiaye. Il a tenté un coup direct. Bon, ça passe pas. C'est dur pour Ramos parce qu'il n'est pas bien servi pour l'instant. Il bosse beaucoup pour défendre. Allez, empêche-la de sortir. Allez, sorti. Et pour l'instant, 76e. Aïe, 118, Paris. Même. 78, pardon. Ballon pour Kanginli. Asensio. On ne voit plus Asensio. Marquinhos, il en a ras la casquette. Alors il monte le ballon aussi. Mbappé. Non. Oh là là, on va venir. La contre-attaque. Attention dans le dos, Nicholson. Et regardez de l'autre côté. Va falloir se méfier. Parce que Zagué, super joué. Sur un international jamaïcain, il l'a endormi. En bonhomme, il a pris ce ballon. Ouais, il a récupéré la balle. Kanginli.
Allez, c'est allez. Trop long, c'est trop long. Ballon pour Carlos Soler sur le côté. Côté gauche, Carlos Soler. Il appuie, c'est pour Kylian Mbappé. Qui va jouer sur Achraf Hakimi. Hakimi. Voilà, il faut y aller plus fort. Allez. Quand même, il va protéger ce ballon. Kongili, la tête, ça revient sur Asensio. On n'a pas de chance, ça va être dégagé par les Clermontois. Zagué pour Asensio. Le centre, la tête, oh, c'est la bon, ça. De Massamba Ndiaye. Quelle tête de Ramos en arrière comme ça, ouais, le ballon un peu derrière. Il s'est bien baissé pour aller smatcher ce ballon. Allez, ça joue les gars, c'est reparti. Allez, Kongili, corner. Tu t'appliques s'il te plaît. Voilà. Kongili pour Hakimi. Hakimi. Achraf. Il n'y a aucun bon ballon centré d'Achraf Hakimi. Tous sont mollassons. Ouais, c'est pas dans la bonne zone, c'est pas assez levé. Il y a Kongili va y aller. Face à Johan Gatien. Kongili, la petite tête. Hop, ça va passer au-dessus de la cage, mais elle a été touchée par un Clermontois. Allez, Paris, on se bouge. Allez. Pour l'instant, Paris dans la nasse, Paris. Pas mal, la tête. Peut-être pour Marquinhos, oh, Marquinhos, non. Et ça va être dégagé par les Clermontois, pas pour longtemps. Ballon contré, Asensio. Petit ballon pour Zagué. Achraf, c'était bien ça. Ça, c'est bien. C'est maintenant pour Gonzalo Ramos. Elle est enroulée. Ça va passer. Il s'excuse, mais. Ouais, mais c'est bien. Il ne faut pas s'excuser dans cette cas. T'es attaquant, tu frappes au but, on va pas te dire. Surtout qu'il n'y a pas eu de frappe comme ça, hein, tout à l'heure, à part Hakimi, sinon le reste. Surtout qu'il en profite parce qu'il ne sera pas titulaire tout le temps. Ouais. 81e minute de jeu, Paris est toujours mené 1-0. Clermont est de plus en plus près de son exploit. Retentissant, mettre fin à la série du PSG. Prendre des points pour tenter de se sauver. Mais Paris s'est mis dedans tout seul, comme ça au moins c'est réglé. Allez. Oh, il y a faute là. Il va prendre un petit carton quand même, parce que là, monsieur Angoula, vous avez mis un carton pour une main de Ugarte tout à l'heure, qui était logique. Oui, c'était la troisième grosse faute. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Angoula? Il se met devant le ballon. Allez, Kongili à la baguette sur le côté droit là. Kongili, coup franc côté droit. C'est parti. C'est frappé. C'était pour directement. Alors c'est directement dans les gants de Massamba Ndiaye. Et Danilo était prêt à couper ce ballon. Mais c'est trop tard. Allez, Paris. Mbappé qui arrête pas de dire à M. Angoula. Il gagne du temps. Ouais. Ouais, c'est très bon. Écoute, pour l'instant. Ballon. Danilo. Ouais, ça commence à tomber pour des crampes. Du côté. Kongili, il me fatigue là, Kongili. Franchement, il me fatigue parce Pourquoi que d'habitude, il joue une touche, deux touches. Et là, il tourne sur lui-même, il fait 15 touches, il donne pas le ballon, il le donne derrière. C'est pas possible. Monsieur Angoula fait voir au Clermontois. Il vient de taper sur son chrono en disant vous me la faites pas deux fois. Toujours bizarre de voir des numéros de 92 comme ça. Ouais, c'est un. Il va se relever. C'est un miracle. Allez, il se relève. C'est pas des crampes. Un coup, semble-t-il. Ouais, on dirait qu'il a pris un coup tout à l'heure avec Hakimi sur le duel. Kylian Mbappé qui vient te parler à Gaël Angoula. Marquinhos aussi. Et là, ça va mieux hein, pour aller sur le banc. Il boit plus. Hein, c'est, voilà. C'est le buteur. C'est Habib Keïta. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Ah ouais, non, mais c'est l'un des plus mauvais matchs de la saison. On en a eu quelques-uns, mais on a l'impression de revenir à des. Ouais, c'est un peu une punition ouais, cette rencontre. On se croirait l'année dernière. Ouais, c'est ça. 82e, 83e minute de jeu.
Allez, ballon peut-être. Oups, ça sera dégagé par les Clermontois. Pas pour longtemps, ça revient déjà sur Carlos Soler. Ougarté. Allez, faites-moi tourner ce ballon, ce jeu, vite. Marquinhos qui allonge un peu sur Kanguili. Voilà. 1, 2, 3, 4, ballon en. Mais qu'est-ce que tu fais, Kanguili? Est-ce que tu peux te concentrer, s'il te plaît? Ouais. Il n'y en a pas un qui est concentré. Non, mais sérieux. Quand. Pour l'instant. Ouais. Notre confrère de France Bleu Auvergne nous dit que Clermont-Ferrand vient de faire sa quatrième session de changement. Les arbitres, ils dotent pas. C'est faute d'arbitrage aussi. Hein. Bon, ils ont match perdu en plus si tu fais ça. Hein. C'est très bizarre. Bah oui. Si tu fais ça, t'as match perdu. Allez, attention avec Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos pour Kylian Mbappé. Pour Gonçalo Ramos, le face à face. Petit externe du pied. Goal! Pour Gonçalo Ramos, la passe de Kylian Mbappé parfaite. C'est l'une des premières passes décisives de la saison de Kylian Mbappé. Le petit externe en profondeur. Et face à face, une merveille. Gonçalo Ramos, c'est un buteur. Il n'a pas hésité une seule seconde. Petit filet gauche, un but partout. Il n'y a pas de fioriture. Il a mis un petit pointu juste à l'endroit où il faut qu'il rentre. Bien sûr. C'était largement suffisant. Et voilà, l'enchaînement était bon. La fixation. Et après, derrière, le 1-2 avec Ramos. Et là, Enrique demande à sortir plus haut pour aller chercher les Clermontois. Attention, ça arrive derrière là. Mais vous suivez un peu là, le jeu là, quand même. Il n'y a personne qui. Oh, Zagué. Incroyable, quand même. Heureusement, Zagué intervient dans la surface de réparation. Paris qui égalise. Enfin. Non mais c'est incroyable quand même. Grâce à Gonçalo Ramos, un bon vieux pointard, le vrai attaquant Paris là, vraiment pour le coup. Moi tous les jours je le garde 100 ans, notre Gonçalo Ramos là. Bien sûr. Ouais, il y a encore là, vas-y joue, allez, c'est bon là. Ah, ça rien suffit. Du tout là, ça va là. Allez, ils sont en train de se rouler par terre. Ougarté, lève-toi un peu gamin. Allez, vas-y. Et Paris qui retourne, Paris qui attaque, Paris avec Kylian Mbappé qui va lever la tête une première fois. Kylian Mbappé, il joue sur Achraf Hakimi. Ça va mieux, Clermontois. Allez, Hakimi, là Johan Gatien qui va arriver pour faire mal sur le porteur du ballon. Debout le parc, 86e minute de jeu, le Paris Saint-Germain est à égalité, un but partout avec Clermont-Ferrand. Il faut aller chercher la victoire, car il faut 3 victoires pour aller chercher le titre. Kylian Mbappé, hop, ça sera dégagé par les Clermontois. Sans faute, voilà, reste bien derrière. Voilà, non, il n'y a rien, il se jette. Allez, on se place, c'est pas grave. Avec le temps qu'ils nous ont flingué, Rico, normalement, voilà, t'as au moins 10 minutes. Ça me semblerait logique. Bah, mais, je te jure. Et vous l'entendez, le parc se régale, le parc chante, le parc est heureux. Il était temps. Une belle ambiance, tout le stade est debout. Ouais, mais monsieur Angoula, il faut mettre des cartons. Quand les mecs gagnent du temps comme ça, il faut mettre des cartons. Je rappelle que Didier Donnarumma en a au moins pris 2 cette saison, dont un il n'y a pas très longtemps à Marseille. Pour avoir fait. Oula, Arnaud Tenas, attention, ouais, c'est bien. Facile. Achraf Hakimi, s'il a vu. Ouais, bien joué. Super. De la part de Mehdi Zéphane qui met ce ballon en touche. Ballon pour les Parisiens. Marquinhos. Kanguili. Marquinhos. Zagué. Paris qui retourne. Paris au combat. 87e, 88e minute de jeu. Asensio, le petit centre. C'est pour dommage, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'était dégagé. Bien joué. Oh, Asensio, c'est vraiment un joueur de foot. Hein. Il a mis ce petit ballon. Alors, un petit peu derrière pour Ramos, mais franchement. Si on arrive à garder cette connexion entre les deux là, franchement ça va être un régal parce que Ramos c'est le vrai attaquant et Asensio il est capable de lui mettre les bons ballons qu'il attend. Là, il est soyeux comme garçon. Ah, ouais. 8e but hein, cette saison pour Ramos en championnat. Allez, c'est bien avec Kanguili Mbappé. Mbappé pour Asensio. Asensio qui va écarter sur le côté gauche pour Carlos Soler. Kanguili qui a suivi, qui sent, ça va être dégagé par les joueurs clermontois. Et Arnaud Tenas dit c'est bon. Ah non, Danilo, oui, je prends. Va dans ta cage, toi. Dans ton but. Un partout. J'ai pas le temps. Allez, plus vite, Danilo. Allez, justement, Marquinhos, plus vieux que ça.
Ça aille plus vite. Danilo. Danilo, un partout. Je vous rappelle, hein, il faut 3 victoires au PSG sur les 7 derniers matchs pour être définitivement champion de France. Pourquoi il dit d'aller doucement? On va pas doucement, hein, Danilo. On a un but à mettre, un deuxième but à mettre là. Allez, Hakimi qui lève la tête. Kanginli, Hakimi. Oh, le bloc clermontois. Là, ils sont sur presque sur 5 mètres. Où ils en sont, ouais. Attention, Asensio. Oh, oh la vache. Là, il a. Il fallait pas avoir la cheville sur à l'endroit où il a mis le pied. Deux joueurs qui sont venus tacler en même temps. Et lui, il a sauté au milieu, enfin sauté au-dessus. Il a vu venir le truc. On va rentrer dans les arrêts de jeu. Allez, Hakimi. Hakimi qui va donner pour Asensio. Ça va arriver directement dans les gants de Massamba Ndiaye. J'aime bien Ramos. Ramos, il a été poussé par le joueur là. Il lui a dit, hé, hey, on va doucement toi. Et ça prend encore son temps. Et monsieur Angoula ne donnera pas de carton. Toujours pas à Massamba Ndiaye. Que 4 minutes de temps additionnel. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est une blague. Sérieusement, mais c'est pas vrai. Ouais, non, mais 4 minutes, c'est pas possible, les gars. C'est pas un match de Coupe de France, c'est du championnat. Sérieusement. C'est quoi ce bazar? Non, c'est pas sérieux, justement. C'est vraiment pas sérieux, il prennent 3 ans. Regarde, il va rester. Non, mais c'est une blague, je te jure. C'est pas possible. Comment tu veux qu'on soit pas. Comment tu veux qu'on s'énerve pas après les. C'est incohérent en fait. C'est complètement incohérent. Carlos Soler, il faut fermer là-bas la porte. Ah, il y a eu les arrêts. Non, non, je sais pas. Allez, Ougarté, il a fait. Il a fait du village. Allez, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi est parti dans l'axe. Est-ce qu'il a vu Kylian Mbappé? Arrive quand même. Le ballon arrive quand même à Kylian Mbappé. Entrée de surface de réparation. Crochet, frappe. Petit filet, c'est un Clermontois qui touche ce ballon. La passe d'Achraf Hakimi était nullissime. C'était une catastrophe. Elle a quand même réussi à arriver dans les pieds. Elle est contrée. Elle est contrée. Elle arrive dans les pieds de. Allez, à plus allez, c'est parti, c'est pour Asensio, contrôle, frappe, ah, c'est touché c'est par le dos de Marquinhos. Et le parc qui chante, qui pousse, bravo. Elle est belle cette ambiance. Bravo. Pour un PSG Clermont. Et on voit la frappe de Mbappé. Qui est dévié et qui va de justesse passer à côté, mais c'est quand même lui qui fait les plus grosses différences, évidemment. Mais il y a toujours un partout dans cette partie et Massamba Ndiaye va encore une fois gagner du temps. Juste le temps pour moi de vous dire que Adriella au standard, hein, le 32-16, n'hésitez pas si vous voulez venir analyser ce match, le débriefer dans l'after, vous faites le 32-16, vous nous appelez et vous êtes dans quelques minutes en direct avec coach Courbis et Kevin Diaz. Mais il reste 2 minutes peut-être pour faire basculer ce dernier match avant le Barça dans 4 jours. Arnaud Valentin. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel et le ballon dans les pieds de Soler. Il a passé le milieu de terrain, il est à gauche. Mbappé est venu tout proche de lui pour le réclamer. Il a remis à Soler en profondeur. Côté gauche, près de la ligne de touche, au niveau de la surface, pas loin du point de corner. On remet en retrait Mbappé. Il a mis pour personne, si ce n'est monsieur Angoula. Oh, le contrôle raté de Gatien qui permet à Ougarté de récupérer. Mbappé servi côté gauche par Asensio. Il a trouvé dans la surface, peut-être Ougarté, elle est trop profonde la passe de Mbappé. 6 mètres à venir pour Massamba Ndiaye et les Clermontois qui bien croient de plus en plus évidemment en ce petit point du match nul au Parc des Princes. 1 minute 30 encore à jouer. Oui. Et ballon dans les pieds, plutôt dans la main de Ndiaye, la main droite, il va la poser pour jouer le 6 mètres. Et évidemment qu'on continue de râler, notamment Marquinhos qui dit mais regardez le temps qu'il gagne. Et effectivement il en grappille des secondes. Le gardien sénégalais va pouvoir dégager bientôt son camp et peut-être s'appuyer par exemple sur Nicholson, le grand attaquant jamaïcain. Le dégagement du pied gauche est fait par le portier clermontois directement sur la poitrine de Pereira qui la met dans l'axe en retrait à Marquinhos, entre dans le rond central. Les Parisiens peut-être pour déployer une dernière attaque. On entre dans la dernière minute du temps additionnel annoncé. Kanginli trouvé sur le côté droit le long de la ligne de touche. Plein axe Ougarté, il ne peut pas lui mettre, il va la mettre à Danilo dans le rond central. Le Portugais avance, il va gagner un petit peu de terrain, se mettre à chercher une solution alors qu'il est quasiment à l'arrêt. Oh, il va la mettre en 6 mètres, complètement raté cette passe de Marquinhos. Et Mbappé n'est pas content d'ailleurs sur ce choix. Et là, on n'a plus grand chose à espérer, je pense, des deux équipes. Et le temps que le gardien clermontois fasse son dégagement, il restera
15 secondes facilement, quitte à ce qu'il prenne un carton jaune, ce qui serait un carton utile hein, pour les Clermontois. Monsieur Angoula qui fait signe jouer. Bon, il va jouer, il va pas prendre de carton jaune. 20 secondes encore dans ce temps additionnel minimum. Le dégagement, la tête de Nicholson, ça va arriver directement sur Marquinhos, le capitaine parisien, sous les hurrahs du Parc des Princes pour une dernière relance peut-être, un partout. 10 secondes à jouer dans le temps additionnel. Danilo Pereira remonte le ballon. Il n'arrive pas à trouver de solution. Il s'appuie devant lui légèrement sur la gauche vers Asensio. En retrait vers Zagué. Il va être obligé de repasser par Arnaud Tenas. Et Enrique écarte les bras en disant mais qu'est-ce que vous me faites là ? Tenas dans le rond central. Il cherche une solution. Ah, c'est quasiment terminé parce qu'il n'a pas de solution. Danilo Pereira, regarde, il a joué. Danilo Pereira va avancer un peu. Il va la mettre sur la gauche vers Asensio. Il y aura une dernière cartouche. Mbappé plein axe sur le tacle magnifique de Gatien. Et le dégagement, catastrophe de Pelmar. Le sifflet dans la bouche de Galoula. Et c'est terminé. Le match nul concédé par le Paris Saint-Germain face à Clermont. Un partout. Ouverture du score clermontoise par Habib Keïta à la demi-heure. Égalisation en fin de match de Gonzalo Ramos avec une équipe au moins bis aligné par Paris qui concède le nul face au dernier à 4 jours de son choc de Ligue des Champions face au Barça. C'était Valentin Jamin et Arnaud Valadon en direct du Parc des Princes. Merci les gars, bonne soirée. On vous laisse filer aux réactions qu'on essaiera d'avoir en direct dans l'after, dans quelques minutes. Toujours un partout entre le Sporting et le Benfica dans ce match au sommet au Portugal avec le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en quart de finale de Ligue Europa. Et ça va repartir dans quelques secondes en Coupe d'Espagne pour la finale de la Coupe. Et Mallorca mène toujours 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Il est 23h pile, vous êtes sur RMC, ne changez rien. On fait une petite pause et dans un instant c'est l'after. Coach Courbis, Kevin Diaz et vous tous au 32-16. À tout de suite. RMC, l'after foot. Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. RMC, les grandes gueules du sport. On se retrouve demain de 9h30 à midi pour des grandes gueules du sport exceptionnelles en direct de Compiègne pour le grand départ de Paris-Roubaix avec les GG, Jérôme Pinault, Fred Weiss, Marie Martineau et Christophe Cessieux. Au programme, la polémique de la chicane. Est-ce une aberration ? Paris-Roubaix a-t-il besoin des Français ? Des invités prestigieux seront avec nous. Frédéric Guédon, le dernier vainqueur français, ou encore Thierry Gouvenou, le directeur de la course. À demain, 9h30, en direct de Compiègne, pour les grandes gueules du sport sur RMC. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la nouvelle Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est maintenant disponible en version hybride, qu'en ville, elle roule 50% du temps en mode électrique et qu'elle est proposée à partir de 160€ par mois. Là, elle devient irrésistible. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000€ pour une 208 active hybride 109. Réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril, c'est acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Suivant état de charge de batterie et style de conduite. Au quotidien, prenez les transports en commun. Événement catch sur AB1. WrestleMania est enfin de retour. Ne manquez pas la 40e édition du show le plus chaud de la WWE. Commenté par le duo légendaire Christophe Agius et Philippe Chéreau. Par-dessus la troisième corde. WrestleMania, c'est mardi et mercredi à 20h55 en exclusivité sur AB1. AB1 est une chaîne du groupe Media One. Allez, silence, on y va. Les vacances. Tu sais, ces derniers temps, on était très plage. On a fait le ski en car en amoureux à l'automne. C'est vraiment le choc des cultures. Heureusement qu'on se débrouille en anglais. Mais cette année, on avait envie de voir autre chose. Alors on est parti au ski. Bah quand même, trois semaines, hein, histoire de vraiment décompresser. Du coup, on a opté pour le petit appart familial au pied des pistes. Pour les petits, c'est des souvenirs. Moi, je me rappellerai toujours de la luge avec mes cousins. Et puis le matin, on leur payait des cours. Comme ça, on pouvait en profiter aussi. Bref, des choses simples, quoi. Et toi ? Pour beaucoup de Français, les vacances s'arrêtent au rythme des inégalités. En 2023, 9% des Français ont eu la chance de partir en vacances d'hiver et seulement la moitié d'entre eux part en vacances tout court. Contre les inégalités, l'information est une arme. Rendez-vous sur inégalités.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, ça va ? Non, là j'en ai ma dose. Oh bah, c'est pas fini patron. En ce moment chez Lidl, avec l'offre Super Weekend, les 40 tablettes pour lave-vaisselle dont 4 tablettes offertes sont à 4,79€. 4,79€ les 40 tablettes ? Ah bah ça c'est du propre. Ah bah oui, hein. Et une telle offre, nous ne savons pas faire. Ah bah on est salement mal. Tu vas voir à ton retour, je te passe un savon. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Offre valable jusqu'au dimanche 7 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. RMC. Première, je voudrais dire pardon à la supporter. Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats. Je dis pardon à tous les supporters. Je dois juste dire à notre supporter, excuse. Jusqu'à minuit, l'after foot. Thibaut Giangrande. Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct sur RMC, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La compo ce soir, Coach Courbis. Salut mon Roland. Salut et re-salut les amis. Et Kevin Diaz. Salut Kevin. Salut à tous. En pleine forme les gars ?
Ça va très bien. Pour débriefer, le match nul ce soir entre le Paris Saint-Germain et Clermont, 28e journée de Ligue 1. Un partout, score final, les Parisiens qui ont égalisé dans les 5 dernières minutes à 4 jours du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça. On vous attend, supporter parisien au 32-16. Clermont, toi également, n'hésitez pas. On va revenir aussi, bien évidemment, sur le match nul cet après-midi entre Lens et Le Havre, un partout. Et puis en fin d'after, même un peu plus que la fin d'after, les drôles de dames seront là, 3 des 4 drôles de dames. Yoann Crochet, Julien Laurence et Fred Hermel pour cette grosse journée également à l'étranger qui continue en ce moment, puisque la deuxième période de la finale de la Coupe d'Espagne vient tout juste de débuter. Mallorca mène 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Et puis je vous signale également au Portugal le match pour le titre, peut-être, entre le Sporting et Benfica. Il reste 20 minutes, un partout. Benfica, futur adversaire de l'OM également en quart de finale de Ligue Europa. La semaine prochaine, 23h05, vous êtes avec nous au 32-16. Vous nous appelez, Adriella au standard, et vous venez débattre avec Kevin, avec Coach. Je vous lis sur le Direct Studio et bien évidemment sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et vous pouvez venir nous voir et surtout commenter votre soirée foot qui continue avec le plus important. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Soit l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, quels sont tes 3 points ce soir de débat? Le premier point, je vais parler quand même de cette équipe de Clermont qui certes n'a pas fait un match resplendissant en termes footballistiques, en termes offensifs. Par contre, ils ont bien failli faire le hold-up de l'année. Pas forcément le hold-up d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même mené une bonne partie du match. Mais ils ont failli faire un gros coup. Finalement, ils repartent avec un bon point. En deux, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a fait tourner aujourd'hui avec Luis Enrique, qui a fait des choix encore une fois forts. Bon, moi, je ne lui reproche pas, hein. Bien sûr, le match le plus important, c'est celui contre cette équipe du Barça. Il a en plus réussi à limiter les dégâts avec ce match nul. Et en trois, plutôt que de parler de Lens, j'ai envie de parler du Havre, qui arrache un bon point, qui, j'ai envie de dire, est presque mérité, parce que c'est une équipe qui se bat et qui ne va rien lâcher. Roland, l'important pour toi, ce sera toujours les 2 points. Je vais parler du match de cet après-midi que j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Je pensais sincèrement que Lens allait profiter de ce match-là pour retrouver les 3 points de la victoire contre une équipe du Havre qui est en difficulté depuis pas mal de semaines. Et ensuite, ce soir, j'ai regardé un petit peu clairement, j'ai essayé de réfléchir un peu à leur place. Et même s'il y a le résultat des matchs nuls, je trouve que clairement rate l'occasion de faire un gros coup en prenant 3 points contre l'équipe B majuscule du Paris Saint-Germain ce soir. Et au classement, pour ce qui est du Paris Saint-Germain, la chose principale pour moi, à 4 jours d'un match aussi important, c'est pas de blessés, de joueurs importants, ça c'est le principal. Habib Keïta avait ouvert le score égalisation de Gonçalo Ramos sur une passe de Mbappé à la 85e. Paris, 63 points, 13 de plus que Brest. Clermont, 21 points, revient à 2 points du 17e Metz et à 5 points de Lorient, barragiste. Ces deux clubs qui joueront demain. Le 32-16 pour venir débattre. Une fois n'est pas coutume, pour commencer cet after, je vais vous donner une compo. La compo de départ du Paris Saint-Germain. Tenace dans les buts, Mukiele à droite, Pereira, Skriniar dans l'axe, Zagué, le jeune Zagué qui disputait ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain arrière gauche. Au milieu de terrain, Ugarte, Soler et le jeune Mayoulou qu'on avait un peu plus vu en Coupe de France. Et devant, Colomoigny. Au vu de cette compo, du résultat finalement qui était un peu secondaire, mais Paris ne perd pas. Est-ce que coach, est-ce que Kevin, Luis Enrique a parfaitement géré ce dernier match avant Barcelone? On va pas faire la fine bouche à partir du moment où il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de défaite, même si attention, quand tu ne bats pas forcément clairement, tu peux te dire que le Paris Saint-Germain peut, doit mieux faire. Maintenant, il y a quand même un match qui est ultra important, c'est celui de cette semaine, c'est celui de mercredi. Je pense que la meilleure nouvelle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de pépins physiques. On a vu quand même des choses intéressantes avec des jeunes qui ont de la qualité, avec des moins jeunes qui par contre sont en difficulté. Mais ça, on le savait. On voit aussi un Gonçalo Ramos qui, définitivement, c'est le joueur que j'ai connu à Benfica. C'est un buteur. C'est un buteur, c'est pas forcément le mec qui va te faire des highlights, comme disent les jeunes. Par contre, quand il s'agit de mettre la balle au fond, c'est quand même rarement à côté. Coach, soirée parfaite, Luis Enrique a bien géré son match du soir, le dernier. Oui, donc après avoir plaisanté dans la semaine en expliquant que ce qu'il fallait surtout, c'est penser à Clermont et ne
pas pensé au match du Barça. Donc, on s'est aperçu quand même que lui, en premier, pensait surtout au match du Barça, ce qui est tout à fait logique. Et donc, maintenant, on attend avec impatience ce match aller contre cette équipe du Barça, qui, elle aussi, n'a pas eu la possibilité de se fatiguer ce week-end, ni d'avoir des joueurs blessés, puisque là, il y a une coupure tranquille pour les jours à venir. Et d'ailleurs, Fred Hermel nous donnera les nouvelles du Barça tout à l'heure. Égalisation de l'Athletic Bilbao à l'instant contre Mallorca en finale de la Coupe d'Espagne. Loïc, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle au 32-16. Salut Loïc. Bonsoir à tous. Salut Loïc. Bienvenue dans l'after. Merci. Ouais. Déjà coach, je suis très 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 content d'échanger avec vous. C'est gentil, pareillement. Merci. Moi, j'intervenais ce soir parce que bon, je suis supporter parisien, je regarde les matchs, tous les matchs, hein, le championnat, la coupe, la Ligue des champions. Et en fait, j'avais un petit retour sur Luis Enrique parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, les observateurs, voilà, ce qui nous anime, c'est sa communication, son coaching, ses remplacements, etc. Voilà. Et en fait, en voyant le match de soir, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, voilà, est-ce que finalement, on n'avait pas sous-estimé un petit peu l'ambition de Luis Enrique en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il n'aurait pas, entre guillemets, acté en arrivant au Paris Saint-Germain qu'avec l'effectif qu'il avait, je pense que voilà, il était capable d'obtenir le titre de champion de France. Et en fait, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais c'est là où je veux en venir, que finalement, il bâtit l'équipe beaucoup en championnat sur des matchs qui peuvent nous paraître charnières. Là, c'était le dernier du championnat. Et lui, il ne voit pas ça comme ça. J'ai l'impression qu'il modèle et qu'il module son équipe. Excusez-moi, tu ne penses pas plutôt qu'il était en train de penser au match le plus important peut-être de la saison, qui est le Barça dans 4 jours? C'est justement où je veux en venir. J'ai l'impression qu'il module son équipe systématiquement en fonction des matchs de Ligue des Champions qui arrivent, entre guillemets, et que finalement, le championnat pour lui n'est qu'un brouillon sur lequel s'appuyer pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure équipe et souvent l'équipe la plus, entre guillemets, difficile à lire en Ligue des Champions. Alors voilà, je voulais avoir votre avis parce que ce soir, pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, peut-être qu'on dira que finalement, Luis Enrique, sa saison était cohérente sur l'ensemble du coaching parce qu'au début, ça nous a surpris, nous, en tant qu'observateurs, par ses décisions. Alors, je passe outre le cas Mbappé, hein, parce que ça, bon, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a vraiment une vision totale de la saison sur toutes les compétitions. Et peut-être que fin de saison, on se dira que peu importe le résultat en Ligue des Champions, après, on se dira que c'était pas si mal que ça. Sur le match de ce soir et les précédents, après, c'est peut-être plus facile à faire quand tu as 12 points d'avance aussi, Loïc. Oui, mais c'est justement ce que je disais au début, c'est que c'est systématique avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, outre quelques saisons où on n'a pas eu le titre, régulièrement, à la mi-saison, au Mercato, on a 10, 12 points d'avance, etc. Je pense qu'il avait intégré ce... Peut-être, c'est mon opinion, enfin, je me pose la question. Il avait intégré cette chose-là avec le Paris Saint-Germain et finalement, pourquoi est-ce qu'en championnat, on peut le trouver un peu fantasque dans ses déclarations? C'est parce qu'en fait, je pense que... je ne dis pas qu'il ne prend pas au sérieux, ce n'est pas du tout le cas, hein, mais il est concentré sur un objectif qui, pour lui, est peut-être pour moi, la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et quand on parle d'ego, je pense que ça lui ferait énormément plaisir d'apporter la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr que ça lui ferait plaisir, personne ne dit. Avec une équipe soi-disant sur le papier qui serait, entre guillemets, plus faible. Puisque on a eu les je t'avoue que si tu me permets, je comprends pas trop où tu veux en venir. Luis Enrique aujourd'hui l'a beaucoup fait tourner. On sait que c'est pour ne pas prendre de risques, notamment physiques, pour le match de Ligue des Champions. Ça, on l'a dit. Ensuite, le fait que Luis Enrique ait beaucoup tergiversé sur les 7-8 premiers mois de son aventure au Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que c'est pour préparer la Ligue des Champions. Non, je pense que c'est tout simplement parce que c'est un entraîneur qui aime bien se poser des questions, qui aime bien remettre en question son équipe, ses joueurs, et qui veut, qui est comme beaucoup de grands entraîneurs, est un éternel insatisfait et cherche toujours à améliorer son équipe par des détails, par des améliorations et aussi par des ajustements. Maintenant, est-ce que son seul objectif c'est la Ligue des Champions et donc le laboratoire c'est la Ligue 1? Non, il a fait aussi des essais en Ligue des Champions. Je pense tout simplement que, comme dit le coach, il cherche la bonne formule. Je pense qu'au fond, il l'a trouvé, même s'il y a toujours une ou deux incertitudes avec lui. Mais je pense que sa formule, il l'a maintenant trouvée. Ouais. Et puis, il sera jugé à la fin de la saison sur ses résultats.
C'est vrai que les matchs passent, son coaching, on commence à s'y habituer à voir ce qu'il fait. Et bon, bah, difficile de lui donner tort finalement. Il va arriver avec tous ses joueurs en forme, pas de blessés face au Barça. Il n'a pas perdu ce soir. Bon, on a quand même l'impression, moi qui suis superstitieux, que dans l'ensemble, ce n'est pas une saison où ça se passe mal. Des buts à la dernière minute, des tirages au sort, tu te débrouilles de ne pas terminer premier, tu termines second, ben tu es inquiet du tirage au sort, tu tires le Real Sociedad en terminant second. Donc je pense que ça ressemble quand même à une saison où il y a les qualités, les compétences, que ce soit du staff, du coach et des joueurs, mais aussi ce petit brin de réussite qui a l'air un petit peu, comme je dis, de ressembler à ce que nous avons vu pour la CAN avec la Côte d'Ivoire. Je remercie Loïc d'avoir été là. À bientôt Loïc sur RMC, bonne soirée à toi. À très vite. À bientôt, merci. Bye bye. Salut, Loïc. Il est 23h14, c'est l'after. Dans un instant, on continue d'analyser ce match nul entre Paris et Clermont ce soir avec coach Courbis, Kevin Diaz et vous tous au 32-16. Fabrice nous appelle, il sera là dans un instant, toujours en direct également sur YouTube, la chaîne de l'after. Vous êtes de plus en plus nombreux là, vous connectez en ce samedi soir, ne changez pas. On revient dans un tout petit instant. RMC, l'after foot. L'after foot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Le dimanche, entre 19h et 20h, c'est Bartoli Time. C'est Marion Bartoli sur RMC. Retrouvez-moi avec Jean-Christophe Drouet tous les dimanches dès 19h dans Bartoli Time. On revient sur tous les plus grands événements sportifs de la semaine. Bien sûr, avec nous, toute la Dream Team Sport RMC et toujours les meilleurs invités. Alors à demain, dès 19h sur RMC. Bartoli Time, demain, 19h-20h sur RMC. Vous aimez le poker ? Vous êtes fan de l'afterfoot ? Chaque soir à 22h45, rejoignez le tournoi Afterfoot sur winamax.fr. Gilbert Bribois et Daniel Riolo vous y attendent pour rythmer vos parties. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Cérémonie d'ouverture. Finale du 100 mètres. Football. Judo. Tennis de table. Natation. 4x4 nage. Concours général de gym. Finale hand dames et messieurs. Skateboard. Beach volley. Boxe. RMC sera dans tous les stades. Et vous aussi, vous aussi. Vous rêvez d'assister aux épreuves des Jeux Olympiques? Bientôt, RMC vous offre 100 places impossibles à trouver pour les meilleures épreuves. Restez bien à l'écoute d'RMC. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot. Thibaut Giangrande. Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus. On est en direct jusqu'à minuit pour l'after avec Kevin Diaz, avec coach Courbis, avec vous tous au 32-16. Direct vidéo sur YouTube, la chaîne @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter. Par exemple, Bernardo écrit trop bizarre de voir Djoko présenter l'after. Et oui, on est sur le sosisme. Il y a aussi Néné qui est là et coach Courbis. Et puis Julien qui écrit par exemple Ramos titulaire mercredi. Effectivement, pour continuer sur ce match nul entre Paris et Clermont, le seul enjeu, petit enjeu de ce match côté parisien, Kevin et coach, c'était justement pour les joueurs titulaires ce soir, en fait. Les seuls qui avaient à jouer quelque chose, c'était ces joueurs qui sont d'habitude remplaçants qui jouent. Ce soir, Soler, Asensio, Skriniar, Ugarte, ils avaient une chance de montrer qu'ils méritaient mieux que de jouer contre Clermont. Il y en a, à part Ramos dont tu parlais tout à l'heure, Kevin, bon, bah, ils ont tous montré qu'ils ne méritaient pas d'être titulaires, ceux-là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'ils avaient grand-chose à jouer, honnêtement. Bah, en tout cas... Je ne suis pas sûr que c'est ce soir qu'ils allaient... Ils n'ont rien montré pour faire changer d'avis leur coach, quoi. Non, mais après, c'est clair, hein, c'est une équipe qui, comme je le disais tout à l'heure à Loïc, c'est maintenant quand même assez dessiné, même s'il peut y avoir à chaque fois des surprises avec Luis Enrique. Mais ces surprises, elles sont aussi pour les adversaires, donc c'est pas plus mal. Maintenant, c'est sûr que, bon, les jeunes, je vais même pas en parler, non. Mais Carlos Soler, c'est compliqué. Skriniar, c'est très compliqué. Mukiele, mais on peut pas lui tomber dessus. Il a fait un match en 5 mois. C'est quand même difficile d'être performant. Il est sorti au bout d'une minute, remplacé par Hakimi, ouais. Qui a vécu un match très compliqué aussi. Hein, ouais. Non, mais Colomwani, c'est toujours pareil. Il est volontaire. Maintenant, ça reste un joueur peut-être qui atteint son plafond de verre au Paris Saint-Germain, même si on va lui laisser du temps. Parce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace. Là, il y avait peu d'espace. Pour le coup, Colomwani a clairement aujourd'hui, il se serait régalé. Mais au Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus difficile, forcément. Donc,
à part Gonzalo Ramos, comme tu dis, qui de toute façon est un profil particulier. Alors on sait pas, hein, on va pas se cacher, on sait pas si ça plaît, s'il plaît à Luis Enrique ou s'il le fait jouer parce que ça me le rigole. On est d'accord. Mais bon, il marque des buts quand même. Chaque fois qu'il joue, il marque un but. Ah ben moi, c'est un de mes joueurs préférés. Après, chacun ses goûts. Hein. Donc, mais moi, mais qu'est-ce qui manque pour le à Luis Enrique avec Gonzalo Ramos? Parce que normalement, c'est un joueur Luis Enrique compatible. C'est un joueur qui joue avec un numéro 9. Oui. Là, nous avons souvent sur le banc Colomani et Ramos. Donc après, écoute, tu as la possibilité d'avoir un effectif aussi important pour te priver de Ramos et de Colomani, ça veut dire qu'il y a un gros effectif. Et là-dessus, ce soir, moi, ce que je regarde, parce que ça a toujours été un de mes soucis quand j'étais coach, c'est qu'il n'y a pas eu de blessures importantes de joueurs importants. Mokele, malheureusement, il n'a pas de chance. Il a la possibilité de démontrer ce soir que ça peut être une solution pour remplacer Hakimi. Même si je pense que la décision est déjà prise avec Zahir Emery, en espérant que Zahir Emery soit opérationnel. Et après, le reste, jouer sans numéro 9 avec Dembélé décroché, c'est une formule qui peut aussi marcher, mais ce n'est pas pour moi obligatoirement la meilleure des formules. Fabrice, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle au 32-16. Salut Fabrice, bienvenue sur RMC. Oui, bonsoir messieurs. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Bonsoir. Donc voilà, je vous appelle parce que je suis un peu étonné parce que j'ai regardé le match et tout de suite j'ai basculé sur RMC pour écouter vos commentaires. Merci. Et moi j'avoue que je suis assez estomaqué de vous entendre, vous satisfaire qu'il n'y ait pas de blessé. Ça c'est le premier point que vous avez abordé, vous êtes satisfait, il n'y a pas de blessé et le match important c'est mardi. Alors moi... T'es pas satisfait Fabrice? Comment? Tu n'es pas satisfait toi de ça? Non, je sais pas, j'ai vu le match, j'ai trouvé que, alors moi, le premier point que je voudrais aborder, c'est le manque de respect. Je trouve que ce manque de respect de la part des joueurs du PSG, parce que les personnes qui étaient au stade ce soir ont acheté leur place, elles se sont déplacées jusqu'au stade, et vous avez vu le spectacle auquel ces personnes ont assisté. Ça, c'est le premier point. Je trouve qu'on ne peut pas présenter un spectacle aussi médiocre à des personnes qui paient une place et qui viennent au stade. Mais c'est de la faute des joueurs ou de celui qui a mis en place ces joueurs, cette équipe-là? Si je vais dans ton raisonnement. Tout, c'est l'entraîneur et puis ce sont les joueurs aussi. En fait, il y a un match à jouer, il y a un match à gagner. Les gens qui viennent les gens qui sont venus ce soir, ils sont venus voir un spectacle de qualité. Ils ne sont pas venus assister à un spectacle d'une telle médiocrité. Oui, mais Fabrice, est-ce que les joueurs, ils n'ont pas fait leur max? C'est ça peut-être le problème de ces joueurs-là, c'est Soler, c'est Skriniar. Mais c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est le niveau des joueurs. Ah bah parce que c'est effrayant. Skriniar, ça fait peur. Colomwani, c'est pas bon. Dembélé, il n'a pas joué ce soir, mais vous l'avez vu, les derniers matchs qu'il a fait, il est incapable de finir une action. Soler, je ne sais pas ce qu'il fait au PSG. Comment dire, Danilo? Mais Fabrice, tu ne peux pas une Ligue de Champions avec Danilo. D'accord, mais Fabrice, aujourd'hui, c'est l'équipe des remplaçants. Aujourd'hui, c'est l'équipe des remplaçants. On est d'accord. Les remplaçants du PSG doivent être en capacité de battre Clermont est 18e. Oui, mais on peut pas nous reprocher tout et son contraire. Alors là, je ne parle pas de toi personnellement. Mais là, ce soir, si je critique le Paris Saint-Germain, on va me dire c'est un match, ils ont 12 points d'avance. On verra. Attends, Fabrice, on arrive. Attends, je te réponds, on revient, Fabrice. J'entends ce que tu dis, mais là, aujourd'hui, on est obligé de juger le Paris Saint-Germain dans sa globalité avec les échéances qui arrivent. Avec les choix de Luis Enrique, je ne peux pas me permettre de juger le Paris Saint-Germain comme si c'était l'équipe type. Alors, je l'ai dit aussi que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient en difficulté. J'ai parlé de Skriniar. On est d'accord. Skriniar, c'est grande difficulté. Mukiele, le pauvre, il se blesse. Soler, c'est fantomas. Colomwani, j'ai dit que c'est pas un joueur pour jouer au PSG quand c'est face à des blocs aussi bas. Et les petits jeunes, j'en ai pas parlé parce que pour le coup, ils font plutôt une bonne prestation. Oui, ils ont fait une belle prestation. Mais aujourd'hui, on est obligé, je finis là-dessus, on est obligé de parler des échéances à venir et du choix de l'entraîneur de mettre une équipe B
gagner, voire une équipe même B' avec les petits jeunes, et vraiment laisser les cadres au frigo. À partir de là, on peut juger, si tu veux, le PSG durement ce soir, parce qu'il faut Mathieu Nul à Clermont. Pour les spectateurs qui se sont déplacés, je peux l'entendre, mais je ne suis pas sûr que c'est l'objectif de la soirée. L'objectif, c'est mercredi. Moi, je suis supporter du PSG, j'ai même des maillots du PSG. Mais je ne suis pas convaincu que le PSG va passer l'étape Barcelone. Ah, moi non plus, je ne suis pas convaincu. Personne, je pense. Donc, à la fin de la saison, il y aura quoi? Ils seront champions de France et ils vont gagner la Coupe de France, logiquement. Mais le PSG ne passera pas Barcelone. Ça, on verra. On sait pas, ça, on verra. En tout cas, Fabrice, moi, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas un tirage facile. Ça reste un tirage qu'on peut considérer à la portée du Paris Saint-Germain, mais ce sera une double confrontation, je pense, très difficile. Après, le football, quand c'est des matchs comme ça, 50-50, ça peut aller, comme le nom l'indique, d'un côté comme de l'autre. Mais aujourd'hui, si tu veux que je juge les joueurs du Paris Saint-Germain, pour la plupart, ils sont en manque de rythme, pour la plupart, ils savent qu'ils n'ont pas forcément la confiance de l'entraîneur. Franchement, c'est pas facile. Alors, on peut considérer que voilà, tu mets les 11 joueurs, ils sont censés être meilleurs que Clermont, donc ils doivent leur rouler dessus. Mais c'est toujours compliqué quand même. Peut-être pas le rouler dessus, mais en faisant un minimum d'efforts, les mecs devraient être capables de gagner ce match en faisant un minimum d'efforts. Mais je suis pas sûr, Fabrice. Je suis pas sûr que sur les joueurs qui étaient alignés ce soir, c'était justement une question d'état d'esprit et d'efforts. On aurait pu penser ça si jamais c'était les titulaires qui pensaient à ne pas se blesser pour jouer dans 4 jours. Mais là, les 11 joueurs ce soir, il n'y en a pas un qui sera titulaire mercredi. Donc c'est juste une question de niveau, en fait. Et ça prouve juste que. Voilà. Paris n'a pas deux équipes. N'a pas deux équipes. Oui et non. Parce que donc l'équipe de ce soir, c'est l'équipe pour moi B majuscule contre Clermont qui eux, ce sont leur équipe A. Et j'ai vu quand même un Clermont supérieur à l'équipe B du Paris Saint-Germain. Je remercie Fabrice en tout cas d'avoir été là. À bientôt, Fabrice. On ne peut pas dire que Clermont était supérieur. Bon week-end, bye bye. Non, Paris, je te dis. Ah oui, Paris, fini par dire. Oui. Tiens, but au Portugal, le Sporting qui vient de marquer Catamo, le doublé 2-1 face à Benfica. Peut-être le but du titre pour le Sporting, puisque ces deux équipes sont en tête en puis, Portugal. Un point d'écart avant ce match. Le Sporting prendrait donc 4 points d'avance sur Benfica. Et puis, comme on dit là-bas, c'est quand même un golazo. Oui, il a mis une de ses frappes. Ouais. Contrôle poitrine, frappe croisée pleine lucarne. Et là, le Stadio Al-Valad qui a explosé. Benfica, adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa la semaine prochaine. Catamo, piston droit. 23h26, on fait une pause et dans un instant, on conclut sur ce Paris Saint-Germain Clermont avec vous tous au 32-16. On reviendra également sur le match nul entre Lens et Le Havre cet après-midi. On vous attend au 32-16, c'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz, coach Courbis, toujours un partout dans la finale de Coupe d'Espagne entre l'Athletic Bilbao et Mallorca. A tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Tous les dimanches soirs à minuit, c'est le RMC Poker Show avec Winamax. Tous les conseils de joueurs pros, des actus, des anecdotes avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show demain dès minuit sur RMC. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Ah le patron, elles sont à 2,49€. Les fraises gariguettes ? Très oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes est à 2,49€. Ils sont encore et toujours moins chers.
franchement... que nous. Eh oui, je vous en ramène une barquette. Toi, ramène ta fraise. T'es mal embarqué. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024, opération Lidl Kids Team du 11 mars au 7 avril 2024. 9,96 euros le kilo, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr. Du 10 au 12 mai, le Grand Prix de France Moto vous attend au Mans avec RMC. Nouveau défi pour les Français face aux meilleurs pilotes MotoGP. Johan Zarco doit réussir avec sa Honda et Fabio Quartararo vise un retour au sommet. Reza sur gpfrancemoto.com. Du sport, du spectacle, des animations et des émotions. Du 10 au 12 mai sur le circuit du Mans avec RMC. Événement catch sur AB1. WrestleMania est enfin de retour. Ne manquez pas la 40e édition du show le plus chaud de la WWE. Commenté par le duo légendaire Christophe Agius et Philippe Chéreau. Par-dessus la troisième corde. WrestleMania, c'est mardi et mercredi à 20h55 en exclusivité sur AB1. AB1 est une chaîne du groupe Media One. RMC. Quart de finale retour de Ligue des Champions. Barça-PSG. Comme pour tous les gros matchs, RMC vous y envoie. Vivre l'expérience RMC. Transport, hôtel, place pour le match, rencontre avec la team RMC Sport et passage en direct dans l'after. C'est ça, l'expérience RMC. Écoutez bien RMC, dès que vous entendez. Envoyez PSG par SMS au 732-16. 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. PSG au 732-16. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, au stade. Se gagne uniquement sur RMC. L'afterfoot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot. Thibaut Giangrande. Il est 23h30, vous écoutez RMC, première radio de France le soir. Merci à vous, quel plaisir d'être là jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16, sur le direct studio, sur YouTube, la chaîne vidéo de l'after, @after-foot. Et d'ici une dizaine de minutes, les drôles de dames qui vont nous rejoindre pour cette grosse journée à l'étranger. Beaucoup de choses à raconter et notamment prendre les dernières nouvelles du Barça avec Fred Hermel. D'ailleurs en Espagne, la finale de la Coupe du Roi, toujours un partout entre l'Athletic Bilbao et Mallorca qui reste 20 minutes et les dernières secondes de Sporting Benfica, toujours 2-1 pour le Sporting. Paris-Clermont, on conclut sur cette rencontre avec Kevin et avec Roland. Le match, ce sera mercredi soir. Alors, on attendait les gars, aucune réponse par rapport à l'équipe qu'alignera Luis Enrique mercredi. Hein, la compo que je vous rappelais tout à l'heure, probablement aucun joueur démarrera mercredi. La seule interrogation qu'on a et qu'on aura jusqu'à mercredi 20h, les compos, c'est ce poste d'arrière droit. Hakimi suspendu, d'ailleurs, qui a été très mauvais ce soir, mais bon, parenthèse. On le disait, Mukiele, il n'est pas dans les plans de Luis Enrique. Je pense que ça sera Zaïre Emery. Zaïre Emery, on se passe de lui au milieu de terrain. Il a suffisamment essayé beaucoup de fois pour comprendre qu'en cas d'absence d'Hakimi, ça sera lui le remplacement. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il est tellement bon, ce joueur, qu'il manquera peut-être au milieu. Je ne sais pas hein, si Zaïre Emery va pouvoir jouer quand même, parce qu'il avait bien grimacé en sortant face à Rennes. Ouais, il n'était pas dans le groupe, on rappelle, effectivement, ouais, aujourd'hui. Donc, on va voir. Mais si ce n'est pas lui, ce ne sera pas Mukiele, en tout cas, ça c'est une certitude. Et Hakimi est suspendu. Donc, il y aura quand même encore un point d'interrogation pour Luis Enrique. On disait qu'il n'y a pas de blessé, mais en tout cas pas ce soir. Même si cette équipe du Paris Saint-Germain, de toute façon, on est tous très curieux de voir quand même comment ça va se passer, ouais, contre le Barça, quelle va être l'équipe affichée, quelle va être l'animation défensive, l'animation offensive, le milieu de terrain. Au final, on n'a pas tant de certitudes que ça, même si on a parlé d'une équipe remplaçante aujourd'hui et des titulaires au frigo. Mais quand on ouvre le frigo, on ne sait pas trop quand même ce qu'on va trouver. Quoi. On sait qu'il y a des bons ingrédients, mais quelle sera la recette? Et surtout, est-ce qu'elle va être goûtue? On va voir. Cette métaphore à 23h32, t'avais pas le droit, tu m'as donné faim, Kevin, c'est catastrophique. Tiens, en parlant du coaching, vous dire que Marquinhos est entré en jeu ce soir hein, à la place de Skriniar, lui devrait jouer bien sûr contre le Barça. Il a égalé le record de Pilorgé du nombre de matchs avec le Paris Saint-Germain, c'était son 435e match. Et il a dit à la fin au micro de Canal qu'il se verrait bien prendre sa retraite ici. Il est redevenu opérationnel, ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, c'est quand même une bonne chose qui
qui puisse faire partie du duo de deux arrières centraux. Et Mbappé qui a joué 25 minutes, est-ce que vous voulez dire un mot de son match ce soir? Il est sur la passe D à Ramos, on l'a quand même vu, parce qu'on s'inquiétait un peu, c'est vrai qu'entre l'équipe de France et ses derniers matchs avec Paris, il n'était pas très bon. Il avait des jambes ce soir, il avait du gaz. Pas très bon ou pas très bon, tu as l'impression que quand il est sur le terrain, tu as 10 fois plus de chances de marquer. Non mais le souci c'est toujours pareil, c'est que j'ai l'impression que les gens croient que Kylian Mbappé c'est Platini ou c'est Zidane. Et c'est un finisseur. Et c'est pas un gars que tu vas voir beaucoup dans le match. C'est un Gonzalo Ramos. C'est un mec. Il y a des périodes où on l'a plus vu. Là, c'est 3-4 dernières.